Chers amis, sœurs et frères, téléspectateurs, téléspectatrices, bonsoir et bienvenue sur Horloge de l'Apocalypse. Cette émission vous est apportée par Pasteur Maurice Jarinal. L'émission d'aujourd'hui a pour titre « Les États-Unis dans l'Apocalypse et l'image de la bête ». Les États-Unis dans l'Apocalypse et l'image de la bête. L'Apocalypse fait apparaître deux puissances, deux bêtes puissantes. La première qui monte de la mer et la seconde qui monte de la terre. La description de la première bête a 10 cornes. Et 7 têtes, ce qui indique qu'il s'agit d'une puissance contrôlée par Satan, le grand dragon, d'après Apocalypse 13, verset 1er. En ce sens, cette bête est identique à la bête à petites cornes de Daniel chapitre 7 et 8. Cette bête, qui symbolise la papauté est en quelque sorte la même que la bête qui sort de la terre dans Apocalypse. Nous le disons parce que toutes ces deux bêtes tirent toute leur autorité et leur puissance du même personnage, le dragon, Satan lui-même, qui permet que cette bête soit devenue et devienne cette puissance. La prophétie fait correspondre la mise en captivité du pape en 1791 à l'émergence d'une autre bête. Contrairement à la première bête, cette seconde bête surgit de la terre. Qui est cette bête, apparue à la fin du XVIIIe siècle? Et pourquoi cette bête surgit-elle de la terre? Nous nous proposons de répondre à cette question et d'étudier aujourd'hui les États-Unis d'Amérique dans l'Apocalypse et l'image de la bête. Juste avant, prions le Seigneur. Notre Seigneur, notre Dieu, notre Père bien-aimé, nous bénissons ton nom pour l'occasion nouvelle que tu nous accordes aujourd'hui de pouvoir étudier encore une fois ta parole. Envoie-nous ton intelligence, ton Esprit Saint, pour que nous puissions comprendre et nous préparer en vue de ton retour. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. Amen. Auditeurs et auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices, encore une fois bonsoir et bienvenue sur Horloge de l'Apocalypse avec votre ami, votre frère, Pasteur Maurice Jarinal. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les États-Unis d'Amérique dans la prophétie biblique et la formation de l'image de la bête. Moi, je voulais rappeler que les États-Unis d'Amérique, qui viennent en vogue à la fin du règne de la papauté, l'est clairement indiqué dans le livre de l'Apocalypse. L'égain, plusieurs caractéristiques que nous sommes capables de découvrir dans l'étude de la parole de Dieu. En sorte que, jodia,
Nous pourrons louer ensemble. Est-ce que les États-Unis ont un rôle pour jouer dans les prophéties de la fin? Première caractéristique de la deuxième bête. Parce que, qu'un ça dans tête aux amis moins, frais moins, ce moins, auditeur, auditrice, téléspectateur, téléspectatrice, que l'Apocalypse présentait nous trois bêtes. Yon bête qui sort de la mer, yon deuxième bête qui sort de la terre, et yon troisième bête qui sort de l'abîme. La bête qui sort de la mer, nous t'es déjà, ouais déjà, c'est la Rome papale, c'est la papauté. Mais la deuxième bête, c'est la bête qui sort de la terre. Qui caractéristique bête ça? La deuxième bête. Qui caractéristique bête ça gagne? Eh bien, première caractéristique de cette bête, c'est que bête là, l'issotie de la terre. Contrairement à l'autre bête. Tout d'abord, nous devons rappeler que dans la prophétie, une bête symbolise un royaume, une puissance politique. Quant aux eaux, elles symbolisent des peuples, des foules, des nations et des langues. Ainsi, la bête qui sort de la mer lui représente une puissance qui sortit non en droit peuplé. Ce qui fut le cas de la papauté qui était apparue en Europe. L'Europe était le continent. Oui, c'était le continent peuplé. C'était le continent impérial. C'était continent côté tout pouvoir, toute puissance, t'es yé, parce que l'Amérique, entre guillemets, découverte, et l'Amérique, lorsqu'elle vient découvrir, elle vient relever le nouveau monde, parce que c'était un coup, une zone isolée de la planète, un continent isolé de la planète. Apocalypse 13, verset 11, déclarait, « Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. » Apocalypse 13, 11 déclare, n'a pris l'île encore, « Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. » Mon ami, mon frère, auditeur, auditrice, téléspectateur et téléspectatrice, seule puissance d'importance qui t'est émergée de yon endroit peu peuplé vers la fin du 18e siècle, c'est pas qu'une autre puissance, c'est les États-Unis d'Amérique. Les sortit dans le Nouveau Monde vers 1776 et c'est États-Unis qui t'a recevoir tout le monde qui t'a subi les persécutions papales. Tout le monde qui t'a subi les persécutions de l'Église romaine. Tout le monde que l'Inquisition t'a éliminé. Des 50 millions de mounes que la Rome papale t'a tué, eh bien, t'a gagné un pile mounes qui t'a décidé chercher un lieu de refuge, parce que, pas oublier, qu'il y a ça bien en tête, depuis qu'il y a une persécution, automatiquement, il faut qu'il y ait un lieu de refuge, depuis qu'il y a une persécution, automatiquement, il y a un déplacement. Alors, ouais, qui ça? La Bible dit, Apocalypse dit, concernant ce sujet. Apocalypse, chapitre 12, verset 15-16. Apocalypse, chapitre 12, verset 15 et 16. Apocalypse, chapitre 12, verset 15 et 16, qui ça lui dit? De sa bouche, on nous lire ensemble. De sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme. Pas oublier, femme, ça, c'est pas l'autre bagaille, c'est l'église du Seigneur. Afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme. Et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve
que le dragon avait lancée de sa bouche. Serpent, de bouche, lui lançait de l'eau, tant qu'au fleuve, pour le capable engloutir femme qui c'est l'Église. Mais cependant, la terre secourut la femme. Même terre ça, côté bête la sautilla, c'est terre ça qui secourut la femme, lui ouvrit bouche lui engloutit fleuve là, que dragon hein, t'es lancé derrière la femme. Chers amis, sœurs et frères, téléspectateurs, téléspectatrices, moi-même avec vous, li facile alors pour que nous comprenions que qui terre qui t'a accueilli moun qui t'a couru de l'Église fidèle du Seigneur, qui est-ce qui terre qui t'a accueilli moun yo qui t'a persécuté yo, c'est pas l'autre terre, c'était la terre des États-Unis d'Amérique, c'était l'Amérique qui t'a recevoir les persécutés de tous côtés. Donc lorsque la Bible dit que Betsa li sorti de la terre, c'est pas l'autre bagaille, c'est un lieu qui pas peuplé en pile et li symboliser les États-Unis d'Amérique, et c'est clair aussi dans l'histoire que c'est les États-Unis d'Amérique qui t'ai recevoir comme terre de la liberté tout monde qui t'a fui persécution en Europe. Maintenant, première caractéristique de Betsa, de deuxième Betla li sorti de la terre. Deuxième caractéristique Betla li gen deux cornes d'agneau. C'est ça que nous te lire Taléa dans Apocalypse chapitre 13 verset 11 qui dit: je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Alors, moi je voulais que vous compreniez que deuxième caractéristique Betsa qui sortit de la terre, li gen deux cornes tant qu'un corne en mouton. Ça veut dire que malgré son bête, mais bête là li gen trait, li gen caractéristique yon mouton, yon agneau. Qui ça veut dire? Eh bien, moi je voulais que ça clair pour vous que deux cornes ça yo symbolisé la tradition chrétienne des États-Unis. Li symbolisé le principe de la liberté civile aux États-Unis, bon, me permettre ouais ça, deux cornes d'agneau. Premièrement, premier corne, c'est le principe de la liberté civile. Il y a aux États-Unis un royaume sans roi, c'est la République. Et deuxième connant, lui symbolisait les principes de la liberté religieuse, c'est-à-dire une église sans pape. Donc, gon l'église aux États-Unis, donc, moun nan l'église a yo, y a fonctionné comme l'église protestante, mais yo bagen yon pape nan tête yo, pou ki persécuté yo, tant que la papauté te persécuté les enfants de Dieu pendant les 1260 ans du règne papal. En général, yo kon dit tout de Konanyora, li symboliser le parti démocrate et le parti républicain. En général, mais les deux cornes d'agneau, ce sont les principes de la liberté civile et les principes de la liberté religieuse. Le fait que le dit son agneau, ça veut dire li symboliser Jésus-Christ qui c'est agneau. Donc c'est le christianisme. Oui, c'est le christianisme, les principes du christianisme qui engendraient que vinn gen un royaume qui est établi ici aux États-Unis, mais un royaume sans roi. Et yon l'église sans pape, ça veut dire pas gain persécution, et l'église là li pas diriger l'État, parce que depuis l'Église avec l'État ensemble, qui s'est passé, gagne privation de liberté, gagne persécution. En nous qu'aimait bien, quelles sont donc les caractéristiques de la deuxième bête? Premièrement, deuxième bête là, li sortie de la terre. Deuxième caractéristique de cette bête, li gen deux cornes semblables à un agneau,
Et qui troisième caractéristique bête là? En ouais, troisième caractéristique là, bête là tout, li parlait un couillon dragon. Nous sautons ça dans le même verset à Taléa. Comme la première bête, seconde bête là qui sortit dans Théa, qui gen connant, li associé au dragon. Ça veut dire qui ça? Même les sons bêtes qui gen condamné, mais li parlait un couillon dragon, ça veut dire qui ça? Li sous puissance Satan, li contrôlé par Satan, le grand dragon. Malgré le christianisme, malgré les principes religieux, malgré les offrir la liberté, malgré les offrir démocratie, eh bien, tout bagaille ça yo, c'est maquillage. Tout bagaille ça yo, c'est, nous capables de dire, c'est juste formalisme, mais cette nation l'a demeurée sous la puissance redoutable du dragon. Zamim, kembe sa bien en tête ou, que dragon, serpent, lui-même, li gen contrôle pays ça, li gen contrôle bête ça, parce que bête la prend pouvoir de lui-même et li parle même Jean avec. Moi, je voulais que nous comprenions que dragon, c'est lui-même qui a contrôlé toute bête. Les États-Unis d'Amérique, qui sortit du Nouveau Monde, qui sortit d'un endroit non peuplé de la terre, li en de plan Satan. Ça veut dire. Ça veut dire Satan est en ouais que li poil perdu domination sur le monde avec la chute de la Rome papale, avec le déclin de la papauté, avec l'arrestation du pape. Li getan wè, la pral pè du puissance li, et puis li getan mette, arrange l, pou ke li gen yon remplaçant. Li gen yon bet provisoire, pou ki al fè route pou li, parce que li ren ni kont, ke li pa kapab. Empêche moun yo, malgré persécution, continue servi bon Dieu, maintenant, li bezwen, on lot puissance, ki gen force, même j'ai avec la Rome, et li arrange l. M vlo comprendre ça. D'après verset A, que les États-Unis, li parle en couillon dragon, donc li dans le plan du dragon, même s'ils ont costume christianisme, mais li là pour faire l'œuvre du diable. Alors, qui ça, où doit comprendre, c'est que c'est dans le plan de Satan, mais Satan qui ça le fait tout, qui ça bon Dieu fait, li utiliser cette terre pour qui secourit la femme, pour que la femme capable renaître, parce que nous le répétons très souvent, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, première bête là, il recevra autorité du dragon. Et puisque deuxième bête là, les États-Unis tout, il parle est un couillon dragon, donc comprendre que il recevra autorité tout du dragon. Quatrième caractéristique de la deuxième bête. Eh bien, comprendre que deuxième bête, ça, lui tout fait partie de ça, nous relais, la trinité satanique, qui composait, un, du dragon, deux, de la bête qui sort de la mer, la papauté, et de la bête qui sort de la terre, ça fait ces trois premiers éléments de trinité satanique là, automatiquement, que 1791 rivé, donc vingt ces trois éléments de la trinité satanique qui a fonctionné en dehors de, excusez-nous, qui a fonctionné ensemble pour que yo capable préparer, mettez petite bon Dieu yo dehors, mettez petite bon Dieu yo nan kouri, mette bon Dieu petit bon Dieu nan la rue, même Jean ça t'est fait, il y a nan, pendant 1260 ans. Ma propose, nappé, retourner, t'allais comme ça, pour nous continuer avec sujet noir.
Chers amis auditeurs, auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices, je vous rappelle que vous êtes en direct de TV Espoir, Espoir TV, Vision d'Espoir TV et Radio Vision d'Espoir avec votre ami, votre frère, Pasteur Maurice Jean Rénal. Et on a étudié ensemble l'Apocalypse et surtout le sujet de ce soir, c'est les États-Unis d'Amérique dans l'Apocalypse et la formation de l'image de la bête. Nous sautons toutes quelques caractéristiques de la deuxième bête, une bête qui sortit de la terre, dont on doit peu peupler, contrairement à la mer, l'autre bête, la sotia, qui voulait dire peuple, foule, gens, etc. Son bête qui tankouillon agneau, conni semblait con agneau, ça voulait dire qui ça? Agneau allait symboliser Christ, ça voulait dire c'est un pays en puissance qui, sous le couvert du christianisme, parce que c'est semblé seulement que qu'on assemblé avec un agneau, ça veut dire qu'il n'est pas agneau vraiment, ça veut dire qu'il prend puissance li de moun li parle même gens avec l'IA, parce qu'il parle même gens avec le dragon, ça veut dire qu'il prend son autorité Chers amis, sœurs et frères, téléspectateurs, téléspectatrices, bonsoir et bienvenue sur Horloge de l'Apocalypse. Cette émission vous est apportée par Pasteur Maurice Jean Rénal. L'émission d'aujourd'hui a pour titre « Les États-Unis dans l'Apocalypse et l'image de la bête ». Les États-Unis dans l'Apocalypse et l'image de la bête. L'Apocalypse fait apparaître deux puissances, deux bêtes puissantes. La première qui monte de la mer et la seconde qui monte de la terre. La description de la première bête a 10 cornes et 7 têtes, ce qui indique qu'il s'agit d'une puissance contrôlée par Satan, le grand dragon, d'après Apocalypse 13, verset 1er. En ce sens, cette bête est identique à la bête à petites cornes de Daniel chapitre 7 et 8. Cette bête, qui symbolise la papauté est en quelque sorte la même que la bête qui sort de la terre dans Apocalypse. Nous le disons parce que toutes ces deux bêtes tirent toute leur autorité et leur puissance du même personnage, le dragon, Satan lui-même, qui permet que cette bête soit devenue et devienne cette puissance. La prophétie fait correspondre la mise en captivité du pape en 1791 à l'émergence d'une autre bête. Contrairement à la première bête, cette seconde bête surgit de la terre. Qui est cette bête apparue à la fin du XVIIIe siècle? Et pourquoi cette bête surgit-elle de la terre? Nous nous proposons de répondre à cette question et d'étudier aujourd'hui les États-Unis d'Amérique dans l'Apocalypse et l'image de la bête. Juste avant, prions le Seigneur.
Notre Seigneur, notre Dieu, notre Père bien-aimé, nous bénissons ton nom pour l'occasion nouvelle que tu nous accordes aujourd'hui de pouvoir étudier encore une fois ta parole. Envoie-nous ton intelligence, ton Esprit Saint, pour que nous puissions comprendre et nous préparer en vue de ton retour. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. Amen. Auditeurs et auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices, encore une fois bonsoir et bienvenue sur Horloge de l'Apocalypse avec votre ami, votre frère, pasteur Maurice Jean Rénal. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les États-Unis d'Amérique dans la prophétie biblique et la formation de l'image de la bête. Je voulais rappeler que les États-Unis d'Amérique, qui viennent en vogue à la fin du règne de la papauté, l'est clairement indiqué dans le livre de l'Apocalypse. Il y a plusieurs caractéristiques que nous sommes capables de découvrir dans l'étude de la parole de Dieu. En sorte que, Jodia, nous parlons ensemble, est-ce que les États-Unis ont un rôle pour le jouer dans les prophéties de la fin? Première caractéristique de la deuxième bête, parce que, qu'un ça dans tête aux amis moins, frais moins, ce moins, auditeur, auditrice, téléspectateur, téléspectatrice, que l'Apocalypse présente nous trois bêtes. Il y a une bête qui sort de la mer, il y a une deuxième bête qui sort de la terre, et une troisième bête qui sort de l'abîme. La bête qui sort de la mer, nous t'es déjà, ouais déjà, c'est la Rome papale, c'est la papauté. Mais la deuxième bête, c'est la bête qui sort de la terre. Qui caractéristique bête ça? La deuxième bête, qui caractéristique bête ça gagne. Eh bien, première caractéristique de cette bête, c'est que bête là, l'y sautit de la terre, contrairement à l'autre bête. Tout d'abord, nous devons rappeler que dans la prophétie, une bête symbolise un royaume, une puissance politique. Quant aux eaux, elles symbolisent des peuples, des foules, des nations et des langues. Ainsi, la bête qui sort de la mer lui représentait une puissance qui sortit non en droit peuplé. Ce qui fut le cas de la papauté qui était apparue en Europe. L'Europe était le continent. Oui, c'était le continent peuplé. C'était le continent impérial. C'était continent côté tout pouvoir, toute puissance, parce que l'Amérique, entre guillemets, découverte, et l'Amérique, lorsque elle vient découvrir, il vient le Nouveau Monde, parce que c'était un coup, une zone isolée de la planète, un continent isolé de la planète. Apocalypse 13, verset 11, déclarait: puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Apocalypse 13, 11 déclare, n'après-il encore, puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Mon ami, mon frère, auditeur, auditrice,
Téléspectateurs et téléspectatrices, seule puissance d'importance qui t'est émergée de un endroit peu peuplé vers la fin du 18e siècle, c'est pas qu'une autre puissance, c'est les États-Unis d'Amérique. Les sortis dans le Nouveau Monde vers 1776 et c'est États-Unis qui te recevoir tout le monde qui t'a subi les persécutions papales. Tout le monde qui t'a subi les persécutions de l'Église romaine. Tout le monde que l'Inquisition t'a éliminé des 50 millions de monde que la Rome papale t'a tué, eh bien, t'a gagné un pile monde qui t'a décidé chercher un lieu de refuge, parce que, pas oublier, qu'il y a bien en tête, depuis qu'il y a une persécution, automatiquement, il faut qu'il y ait un lieu de refuge, depuis qu'il y a une persécution, automatiquement, il y a un déplacement. Alors, qui ça, la Bible dit, Apocalypse dit, concernant ce sujet. Apocalypse, chapitre 12, verset 15-16. Apocalypse, chapitre 12, versets 15 et 16. Apocalypse, chapitre 12, versets 15 et 16, qui ça lui dit? De sa bouche, on nous lire ensemble. De sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme. Pas oublier, femme, ça c'est pas l'autre bagaille, c'est l'église du Seigneur. Afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Serpent, de bouche, lui lançait de l'eau, tant qu'au fleuve, pour le capable engloutir femme, non, qui c'est l'église. Mais cependant, la terre secourut la femme. Même terre ça, côté bête la sautilla, c'est terre ça qui secourut la femme, li ouvrit bouche li engloutit fleuve là, que dragon t'est lancé derrière la femme. Chers amis, chers et frères, téléspectateurs, téléspectatrices, moi-même avec vous, li facile alors pour que nous comprenions que qui terre qui t'a accueilli, moun qui t'a couru de l'église fidèle du Seigneur, qui est-ce qui t'aime, qui t'a accueilli, moun yo, qui t'a persécuté yo, c'est pas l'autre terre, c'était la terre des États-Unis d'Amérique, c'était l'Amérique qui t'a recevoir les persécutés de tous côtés. Donc lorsque la Bible dit que Betsa est sorti de la terre, c'est pas l'autre bagaille, c'est un lieu qui pas peuplé en pile et lui symboliser les États-Unis d'Amérique. Et c'est clair aussi dans l'histoire que c'est les États-Unis d'Amérique qui t'est recevoir comme terre de la liberté tout le monde qui t'a fui persécution en Europe. Maintenant, première caractéristique de Betsa, de deuxième Betla, lui sortit de la terre. Deuxième caractéristique Betla, li gen deux cornes d'agneau. C'est ça que nous te lire Taléa dans Apocalypse chapitre 13 verset 11 qui dit: je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Alors, moi je voulais que vous compreniez que deuxième caractéristique bête ça qui sortit de la terre, li gen deux cornes, tant qu'ou cornes en mouton. Ça veut dire que, malgré son bête, mais bête là, li gen trait, li gen caractéristique yon mouton, yon agneau. Qui ça veut dire? Eh bien, moi, je veux que ça clair pour vous que deux cornes, ça yo symbolisé la tradition chrétienne des États-Unis. Les symboliser
le principe de la liberté civile aux États-Unis, bon, me permettre aux USA, deux cornes d'agneau. Premièrement, premier connant, c'est le principe de la liberté civile. Il y a aux États-Unis un royaume sans roi, c'est la République. Et deuxième connant, lui symboliser les principes de la liberté religieuse, c'est-à-dire une église sans pape, une église sans pape. Donc, gon l'église aux États-Unis, donc, moun nan l'église a yo, y a fonctionné comme l'église protestante, mais yo pa gen yon pape nan tèt yo pour qui persécute yo, tant que la papauté te persécute les enfants de Dieu pendant les 1260 ans du règne papal. En général, yo kon dit tout, de kon anyora, li symbolise le parti démocrate et le parti républicain. En général. Mais les deux cornes d'agneau, ce sont les principes de la liberté civile et les principes de la liberté religieuse. Le fait que le dit son agneau, ça veut dire, il symbolisait Jésus-Christ qui c'est agneau. Donc c'est le christianisme. Oui, c'est le christianisme. Les principes du christianisme qui engendraient que vous avez un royaume qui est établi ici aux États-Unis, mais un royaume sans roi. Ayons l'église sans pape, ça veut dire. Pagain, persécution, et l'église là, li pa a pa dirigé l'État, parce que depuis l'église avec l'État ensemble, qui s'est passé, gagnant privation de liberté, gagnant persécution. En nous qu'aimez bien, quelles sont donc les caractéristiques de la deuxième bête? Premièrement, deuxième bête là, li sortie de la terre, excusez-nous, premièrement, deuxième bête, la sortie de la terre. Deuxième caractéristique de cette bête, liguée de cornes semblables à un agneau. Et qui troisième caractéristique bête là? En ouais, troisième caractéristique là, bête là tout, li parlait un couillon dragon. Nous sautons li ça dans le même verset à Taléa. Comme la première bête, seconde bête là qui sortit dans terre, qui gagne cornes. Li associé au dragon. Ça veut dire qui ça? Même les sons bêtes qui gagnent condamné, mais li parlait tranquille au dragon, ça veut dire qui ça? Li sous puissance Satan, li contrôlé par Satan, le grand dragon. Malgré li gagne christianisme, malgré li gagne principes religieux, malgré li offrit la liberté, malgré li offrit démocratie, eh bien, tout bagay ça yo, c'est maquillage. Tout bagay sa yo, c'est nous capable dire, c'est juste formalisme, mais cette nation l'a demeuré sous la puissance redoutable du dragon. Zamim, kembe sa bien en tête, que dragon, serpent, lui-même, li gen contrôle pays ça, li gen contrôle bête ça, parce que bête la prend pouvoir de lui-même et li parle même Jean avec. Moi vle que nous comprenne que dragon c'est lui-même qui a contrôlé toute bête yo. Les États-Unis d'Amérique qui sortit du nouveau monde, qui sortit de un endroit non peuplé de la terre, li en de plan Satan. Ça veut dire. Ça veut dire Satan est en ouais que l'Ipoil perdu domination sur le monde avec la chute de la Rome papale, avec le déclin de la papauté, avec l'arrestation du pape, l'Iguet en ouais l'Ipoil perdu puissance li, et puis l'Iguet en mette arrangé pour que l'Iguet en remplaçant. L'Iguet en bête provisoire pour qui elle fait route pour lui. Parce que li rend ni compte que li pas capable empêcher moun yo malgré persécution continuer servir bon Dieu. Maintenant li besoin on l'autre puissance qui gain force même j'ai avec la Rome et li arrange il m'vlo comprendre ça d'après verset a que les États-Unis li parle en couillon dragon donc li dans le plan du dragon même s'il gon costume christianisme mais li là pour faire l'œuvre du diable. Alors, qui ça, ou doit comprendre, c'est que c'est dans le plan de Satan, mais Satan qui ça le fait tout, lui
qui ça bon Dieu fait, lui utiliser cette terre pour qui secourir la femme, pour que la femme capable renaître, parce que nous le répétons très souvent, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, première bête là, il recevait autorité du dragon. Et puisque deuxième bête là, les États-Unis tout, il parlait de couillon dragon, de comprendre que il recevait autorité tout du dragon. Quatrième caractéristique de la deuxième bête. Eh bien, comprendre que deuxième bête ça, il tout fait partie de ça nous relais, la trinité satanique qui composait un du dragon, deux de la bête qui sort de la mer, la papauté, et de la bête qui sort de la terre, ça fait ces trois premiers éléments de trinité satanique là, automatiquement que 1791 rivait, donc vingain ces trois éléments de la trinité satanique qui a fonctionné en dehors de qui a fonctionné ensemble pour que yo capable préparer mettez petit bon Dieu yo dehors, mettez petit bon Dieu yo nan kouri, mettez bon Dieu petit bon Dieu dans la rue, même Jean ça t'est fait il y a nan pendant 1260 ans. Ma propose n'a pas retourné dans les comme ça pour nous continuer avec sujet noir. Chers amis, auditeurs, auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices, je vous rappelle que vous êtes en direct de TV Espoir, Espoir TV, Vision d'Espoir TV et Radio Vision d'Espoir avec votre ami, votre frère, pasteur Maurice Jean Rénal. Et on a étudié ensemble l'Apocalypse et surtout le sujet de ce soir, c'est les États-Unis d'Amérique dans l'Apocalypse et la formation de l'image de la bête. Nous sautons toutes quelques caractéristiques de la deuxième bête, une bête qui sortit de la terre, dont on doit peupler, contrairement à la mer, l'autre bête la sautia, qui voulait dire peuple, foule, les gens, etc. Son bête qui tankouillon agneau, conni semblait con agneau, ça voulait dire qui ça? Agneau allait symboliser Christ, ça voulait dire c'est yon pays en puissance qui, sous le couvert du christianisme, parce que c'est semblé seulement que qu'on assemblé avec un agneau, ça veut dire qu'il n'est pas agneau vraiment, ça veut dire qu'il prend puissance li de moun li parle même gens avec l'IA, parce qu'il parle même gens avec le dragon, ça veut dire qu'il prend son autorité du dragon, les deux cornes yo symbolisées, les principes de la liberté civile, côté tout le monde libre, pour yo agir, pour yo fonctionner, pour yo faire ça qui yo voulait, dans le respect des lois, certainement, et des principes, et le principe de la liberté religieuse, côté monde libre, pour yo exercer religion yo, parce que monde sa yo, yo te sauti dans une situation bien particulière, ça qui permet que nous arrivions dans la troisième caractéristique de la bête, c'est que bête ça son bête qui te secourir la femme. C'est bête ça qui te secourir l'Église. Parce que le verset de l'Apocalypse nous dit clairement que Satan voyait un fleuve dans Kofia pour engloutifia, mais la terre ouvrit col. Il boit de l'eau fleuve là, et puis il secourir la femme. Et nous tous nous connaissons que ceux de l'Église, puisque la femme symbolise l'Église, les persécutés de l'église papale, de l'église romaine, de la Rome papale, en Europe, c'était aux États-Unis
yo te prend refuge pour yo te capable échapper en bas persécution yo. Et nous te voyons tout que bête là li parle tant couillon dragon, ça veut dire même gens avec la papauté, cette bête qui sort de la terre li recevra pouvoir les puissances li du dragon, même les li gagne une apparence religieuse. Et pour qui ça a dit nous tout ça, c'est parce que yo pral vle pi devant pour comprendre qui ça qui pral cause que gon changement de direction la kay bête ça, parce que li pat jam anyo vraiment, c'est pas jam yon pays chrétien vraiment, c'était le couvert du cri sionisme. Mais bon, dit longtemps, les descendants des chrétiens persécutés qui viennent former le protestantisme, yo pas rete fidèle à aux idées de Silayo qui te fui la persécution, puis yo te fidèle à bon Dieu, yo même, yo viennent font l'autre route, yo pral vendre nom yo by l'autre bête, yo pral vendre nom yo by le dragon. Maintenant, cinquième caractéristique bête ça qui sortit dans la terre, que nous comprenons très clairement, qui c'est les États-Unis d'Amérique, n'a pas une caractéristique ça yo, nan rôle que bête là, li va jouer, et il commence à jouer dans l'histoire de l'humanité. Oui, c'est dans rôle que li commence à jouer dans l'histoire de l'humanité que n'a pas découvert ça. Cinquième caractéristique. Wall des États-Unis au temps de la fin. En nous lire Apocalypse chapitre 13, versets 12 à 15, qui ça lui dit, elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fît que tous ceux qui n'adorait pas l'image de la bête, fussent tués. Zami m'a fait retourner dans verset bien pour nous. Premièrement, caractéristique, c'est que deuxième bête-là, la peut exercer toute autorité, première bête-là, en présence. Deuxièmement, la peut faire en sorte que tout habitant de la terre yo adoré première bête-là. Troisièmement, la peut faire prodige et la peut faire du feu sur le ciel-là. Quatrièmement, la paix fait yon image à la bête. Cinquièmement, l'a animé image bête là et l'a fait image bête là parler. Samim, mes rôles, les États-Unis, qui sous le couvert du christianisme t'es émergé dans le monde en tant que puissance, mes rôles, li pral jouer à la fin des temps, dans le cadre des événements de la fin, et c'est ça qui expliquait que depuis les États-Unis entrent dans la bataille, li entrent dans le jeu, li détournent de sa vocation, entre guillemets, bon, dit de son origine chrétienne et protestante, eh bien, depuis où est changement, comment c'est fait dans le domaine de la religion, dans le domaine de rapport religion avec l'État, ou mettre quoi que agneau, pour agneau, pour mouton, sorti sous États-Unis, li poil prend pour papa, li poil montrer vraiment que son dragon lié, et puisque première bête là te travaille pour dragon, parce que c'est dragon qui bat l'autorité, et les États-Unis tout, c'est dragon qui bat l'autorité, parce que le palais tranquille dragon, eh bien, automatiquement, zami mwen, ou poil wè que bagay yo changé, et en pile changement, poil fait nan monde blanc. Premier rôle que États-Unis gagne pour jouer dans l'histoire de l'humanité, c'est que l'a exercé toute l'autorité de la première bête en sa présence. L'a exercé toute autorité première bête là en présence bête là. Ça veut dire qui ça? Pendant même bête là, pendant même que bête là au pouvoir,
ou du moins perd du pouvoir, bête là là toujours, même s'il prend une blessure mortelle, mais a une sorte d'alliance entre la papauté et les États-Unis. Tout d'abord, l'influence des États-Unis sur les autres nations est considérable, particulièrement depuis deux événements de grande importance. Oui, t'as deux événements de grande importance qui viennent faire que les États-Unis viennent d'une puissance extraordinaire. Tout d'abord, nous songeons l'influence papale mélangée à l'influence des États-Unis. Le président des États-Unis d'alors, Ronald Reagan, et le pape Jean-Paul II, ils mettent ensemble, ils combattent le communisme. Oui, ils mettent ensemble pour combattre le communisme. Et qui ça nous est comme le résultat? En 1989, c'est la chute du mur de Berlin. Et en 1991, c'est l'éclatement de l'Union soviétique parce que Betla, Dragon, hein, pas d'accord. Pendant que Lila, pour que gagne l'autre puissance. Faut que gagne une seule puissance. C'est ça que fait t'es qu'on gagne croisade. C'est ça que fait toujours gagne guerre entre la Rome papale et les autres capé monté, cap palais. Parce que cette bête, li pas d'accord opposition. Li douce et deux taureaux, pas bégle, nan même pas durage. C'est ça que fait. Li quitte les États-Unis à frapper. Mais c'est pour les États-Unis exister. Pour que États-Unis capable permettre que blessure mortelle là, li guérit. Donc, qu'est-ce que fait? Faut que le communisme perde du pied. Faut que le communisme perde du pied, amis moi. Oui, faut que le communisme perde du pied pour que le pas puissance encore, afin que bête là capable étaler toute puissance. Li. Et c'est le rôle aussi des différentes visites apostolique, visite du pape dans tous les pays, les gains de guerre, etc., les gains de côté qui ont des problèmes, parce que vous voulez que c'est eux-mêmes seulement qui puissent ensemble. En mars 1984, les États-Unis ont envoyé le premier ambassadeur au Vatican. Comprendre que les États-Unis, puisqu'ils viennent juste pour remplacer bête là, dans le moment où ils prennent blessure mortelle là, parce que Dragon n'est pas d'accord pour le pagaie contrôle monde là, puisque il gagne monde là comme royaume ni. Il te dit Jésus ça oui, que tout ça va garder là c'est pour moi, c'est lui qui gagne contrôle royaume qui sous terre. Donc il pas qu'a perdu puisque bon blessure mortelle de la papauté, maintenant il arrange pour que il rentre encore sous le couvert du christianisme pour que il gagne contrôle toute bagaille. Kembe ça dans tête tout que les États-Unis son pouvoir de rechange. Son puissance de facto, son puissance de substitution et de transition pour pallier à la blessure mortelle de la première bête et pour préparer la voie à la papauté. Qu'est-ce que ça, amis moi? Même Jean, Jean-Baptiste est là pour te préparer la voie du Seigneur. Eh bien, les États-Unis, son rôle, c'est de préparer la voie pour que la bête qui te prend blessure mortelle là l'y émerge. Parce que le dragon ne fait qu'imiter Dieu, ne fait qu'imiter Jésus-Christ, parce que salver, c'est adoration. Eh bien, comprendre, amis moi, que les États-Unis qui te recevoir un mandat du dragon, bien que sous le couvert du christianisme, c'est un pouvoir de facto que Satan qui est en mettait arrangé avant 1798 pour qu'il permette que l'IPA perde du contrôle du monde. Là. Bon Dieu, exploiter cette même terre des États-Unis qui acceptait recevoir les protestants, qui t'a fui la persécution papale et pays avait une grande base de pays protestants, pays chrétiens, bien entendu, sans pape. Et sans roi. Mais maintenant, vous en mettez moins, automatiquement que blessure mortelle là, li guérit les États-Unis, gon gros bagay que le poil fait. C'est ça que fait, même sous tant de en pile parler, puis gon peur, puis gon penser que gon problème vraiment entre les États-Unis et la papauté, parce que yo même, yo tous les deux, yo recevoir pouvoir yo même côté.
L'autre rôle que les États-Unis ont pour le jouer, dans le cadre de la prophétie biblique, nous sommes verset A, elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu'il lui était donné d'opérer. Les États-Unis, ils ont vraiment séduit les habitants de la terre par leur culture et leurs symboles qui envahissent le monde entier. Tout le monde, ils ont aimé le mode de vie américain parce que le mode de vie américain fait miroiter une image de liberté, une image de prospérité aux yeux des nations. Le dollar américain est devenu l'étalon de toutes les monnaies. Moi, je voulais que vous compreniez que le monde entier bat au rythme des États-Unis d'Amérique. Et les États-Unis d'Amérique, verset Adino, l'y fait du feu, sauti dans ciel-là. Ça parlait de extraordinaire pouvoir de feu des États-Unis. Songez ce qui est arrivé avec le bombardement des villes d'Hiroshima et de Nagasaki en 1945, qui montrait clairement que les États-Unis, c'est la première puissance nucléaire au monde. Il intimidait tout le monde. Et il séduit les hommes aussi par ses prodiges, par sa puissance de feu, par sa technologie, par ses inventions. Ça, c'est le deuxième rôle que les États-Unis ont pour jouer, pour séduire les hommes, pour tous les hommes attirés vers lui-même et prendre comme modèle, parce que le dernier modèle que Satan pourra le besoin d'entendre la fin. Donc, il faut qu'il commence à prendre les États-Unis depuis qu'on y a comme modèle pour que le modèle-là soit capable. Continuez, prends. Troisième rôle que les États-Unis, bête qui saute dans Théa, gué pour jouer dans le cadre des prophéties de la fin, elle faisait, elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. L'a fait en sorte que les habitants de la terre, yo adoré première bête là, la papauté. Il n'y a pas d'oreille, bête ça, qui te prend blessure mortelle là, en 1798 là. Mais la fête sa fête, lorsque blessure mortelle là, guérit, ça veut dire qui ça, lorsque le reprend tout rayonnement là, lorsque les hommes qu'on y a décidé à le regrouper avec elle, marcher sous autorité, à le réunir avec elle, et d'accord, comme une autorité mondiale, et lorsque l'Ipalé Saldia, le monde branle, manifestation tout partout pour appuyer les paroles du pape, pour le changement climatique aussi, pour la paix dans le monde, pour l'unification des religions, tout le monde d'accord, tout le monde mette main ensemble, et bien ça vous l'avez dit, yon gros bagay, c'est que la blessure mortelle li est en train de guérir, et nous pensons que guérison hein, pourra le ratifier. Très bientôt, au cours de cette année, le 14 mai 2020, lorsque le monde va réunir sous la convocation papale, puis on prend ensemble des décisions pour le monde. Ça veut dire, c'est en reconnaissance que le pape, la papauté, c'est un pouvoir, une autorité mondiale, comme nous disons la dernière fois, tous les ambassadeurs disent, c'est lui-même pour vous suivre. Lui, c'est lumière, lui, c'est parole là, lui, c'est chemin, il faut vous faire même Javel, et 14 mai, c'est une occasion que vous pas capable de rater pour que les diplomaties du monde vous suivent la politique papale. Donc, comprendre que Betsa, qui sortit dans Théa, lui-même, il n'a pas cherché adoration. Non, il n'a pas besoin d'adoration, non? Il a cherché pour vous adorer. L'autre bête là, parce que lui-même, c'est un agent lié pour le dragon. Hein. C'est un démarcheur lié. Son lobbyiste pour l'autre bête là, lui-même, il a besoin d'adoration, mais il est là pour encourager les hommes à adorer bête qui sautit dans la mer. Songez, lorsque la papauté est rentrée dans le Parlement américain pour la première fois en mémoire, Moon. Institution qui t'a persécuté chrétien yo qui fait vinn États-Unis là et ben moun sa institution ça représentant entrer en dans parlement américain sous applaudissements sous encouragement tout le monde ça son bagaille extraordinaire sous applaudissements protestants yo en nous suivre m'a retourné moi souhaiter que les retourner et ben wara découvrir plus bagay. En nous, prends-tu pause et puis comprends.
Mr. Speaker, the Pope of the Holy See. Auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, je vous reviens avec un autre rôle que les États-Unis l'y appelaient à jouer. Les États-Unis gagnent pour l'y faire une image de la bête. Elle fait une image de la bête. La prophétie a annoncé un autre grand projet commun. Oui, un grand projet commun des États-Unis, de la bête qui sort de la terre, bête ça. Ligue pour lui faire l'image de la bête. Oui, ligue pour le faire, pour le présenter, pour le dresser l'image de la bête. Yon image bête là. C'est ça ligue pour le faire. C'est wall ça, ligue pour l'accomplir. L'image de la bête. Eh bien, amis moi, frère moi, soit moi, auditeur et auditrice, en entendez qui ça? Yon évêque. Oui, c'est l'évêque Noel Jones. Ben, moi, permettre que nous lire ça. Mais ça lui dit. Noel Jones, qui s'est conférencier de City of Refuge, Mega Church à Los Angeles. Attendez qui ça lui dit. Nous sommes maintenant appelés à nous unir pour apporter la paix internationale dont nous avons besoin dans nos familles et pour sauver ce monde. Quand nous regardons le monde, nous voyons des nations et des dirigeants centrés sur leurs propres intérêts. Et nous voyons la division au sein du monde religieux. Son déclaration que l'été fait à la fin du mois de décembre dans le cadre de cette grande rencontre de tous les membres du clergé mondial, du clergé protestant. Eh bien, Zamim, si les États-Unis gagnent pour créer une image de la bête, moi je veux que vous compreniez clairement que les États-Unis, par rapport à l'influence mondiale, ils pourraient tout gagner une influence sur le plan religieux. Ils pourraient créer, ça nous relève, l'image de la bête. Ça veut dire, ils pourraient faire une photocopie, une image de première bête là, ça veut dire li poil presque fonctionner tant qu'ou la papauté, ça veut dire pour gagner l'église avec yon l'état qui fait yon seul. Comme pour la papauté c'est l'église catholique, mais pour les États-Unis c'est l'église protestante que yon tout yon poil mette tête yon ensemble. Zanmim, depuis quelques années nous assister à la montée de la droite protestante américaine qui a exercé des pressions fortes sur le gouvernement des États-Unis pour que le gouvernement états-unien capable d'abandonner le principe de séparation entre l'Église avec l'État. C'est l'UTSA qui gagne depuis quelque temps. Aux États-Unis, les protestants du pays à son pays, chrétien son pays protestant, c'est pour yo influencer tout ça qui a passé, faut qu'yo partager pouvoir avec le monde politique et faut qu'yo prendre pouvoir tout. Moi invitez nous, m'va pas faire qu'un commentaire même si c'est en anglais pour nous capable suivre vidéo ça. Has something really really special the Lord has blessed us with tonight. And somebody I want to introduce to you.
Brother Tony, come on up, would you please? So would you welcome Tony Palmer to this platform. Bishop, thank you, sir. Bless you. Yes, sir. I've come to understand that diversity is divine. It's division that's diabolic. What is the charismatic renewal? It's when we experience the presence of God. And he said, and I give them the glory, pragmatic reason, so that they may be one. It's the glory that glues us together, not the doctrines. It's the glory. If you accept that Christ is living in me and the presence of God is in me and the presence of God is in you, that's all we need. Because God will sort out all our doctrines when we get upstairs. Therefore, Christian unity is the basis of our credibility, because Jesus said, until they are one, they will not believe. The world will not believe, as they should, until we are one. Division destroys our credibility. It is fear that keeps us separated, because fear is false evidence appearing real. It's an acronym, F-E-A-R, false evidence appearing real, because most of your fear is based on propaganda. Now, why is it historic? Because in 1999, the Roman Catholic Church and the Protestant Lutheran Church signed an agreement that brought an end to the protest. Luther believed that we were saved by grace through faith alone. Amen. But that's not it. The Catholic Church believed that we were saved by works. And that was the protest. In 1999, they wrote this together, because in the Protestant church, we had a lot of cheap salvations. People were getting born again, but no fruit whatsoever. And because we didn't even look for fruit, it wasn't the issue, because it wasn't necessary for salvation. And no, it's not. But it's a good judge if you are saved. So what these two churches did, they put the two definitions together. Listen to it. I'm reading verbatim from the Catholic Vatican website. Justification means that Christ himself is our righteousness, in which we share through the Holy Spirit in accord with the will of the Father. Together we, Catholics and Protestants, Lutherans, believe and confess that by grace alone, in faith in Christ's saving works, and not because of any merit on our part, we are accepted by God and receive the Holy Spirit, who renews our hearts while equipping and calling us to good works. This brought an end to the protest of Luther. Brothers and sisters, Luther's protest is over. Is yours. In 1999, this was signed by the Lutheran Church, the Federation Worldwide. Later, about 5 years later, the Worldwide Methodists signed the same agreement, but as of today, we still have had no Protestant evangelical that will stand up and sign this agreement to agree with our brothers and sisters that we are saved by grace through faith to good works. And I believe that's something that needs to be fixed. There's a challenge for you. So the protest has been over for 15 years. And I get a bit cheeky here, because I challenge my Protestant pastor friends. If there is no more protest, how can there be a Protestant church? Maybe we're all Catholics again. But we are reformed. We're Catholic in the universal sense. We are not protesting the doctrine of salvation by the Catholic Church anymore. We now preach the same gospel. We now preach you are saved by grace through faith alone. The word alone was the argument for 500 years. The word alone is there. You can read it yourself. The protest is over. The protest is over. If you're not on fire by now, after what all we've heard, your wood is wet. Now, I knew this along, but and I heard it from the Lord. But then I also know it now because of what I know. Dear brothers and sisters,
excuse me, because I speak in Italian. Io sono qui con mio fratello, mio vescovo fratello, Tony Parnan. Siamo amici da anni e lui mi ha detto del vostro compegno, del vostro raduno. Con piacere vi invio un saluto gioioso e nostalgico. Gioioso perché a me dà gioia che voi siete riuniti per lodare Gesù Cristo, l'unico Signore, per pregare al Padre e ricevere lo Spirito. Che si uniscono e famiglie che si separano. E noi siamo un po', mi permetto la parola, separati. Separati perché i peccati ci hanno separati, i nostri peccati. I malintesi nella storia, ma una lunga strada di peccato comunitario. Ma chi ha la colpa? Tutti abbiamo la colpa. Tutti siamo peccatori. Soltanto uno è giusto, il Signore. E tante ricchezze culturali, anche religiose, tradizioni diverse, ma dobbiamo trovarci come fratelli e dobbiamo piangere insieme, come ha fatto Giuseppe, quel pianto che unisce, il pianto dell'amore, perché questo ci spingerà a trovarci, abbracciarci e a lodare Gesù Cristo come unico Signore della storia. Vi ringrazio tanto per sentirmi e vi chiedo anche un favore, di pregare per me perché ho bisogno delle vostre preghiere. Io prego per voi, lo farò, ma io ho bisogno delle vostre preghiere e pregare al Signore perché ci unisca tutti. E avanti, siamo fratelli, vi chiedo di benedirmi e io vi benedico. Di fratello a fratello, un abbraccio. Grazie. Glory, glory, glory. Tony, thank you, sir. Come on, the man asked us to pray for him. Oh, Father. Father, we answer his request. And since we know not how to pray for him as we ought, other than to agree with him in his quest and in his heart for the unity of the body of Christ. We come together in the unity of our faith. Hallelujah. I want you to video a message back. Come up here and let's do it this way, so he can see this whole congregation. My dear sir, thank you so from the bottom of our hearts. All of these leaders represent literally tens of thousands of people that love you, that believe God with you, and in answer to your request, we have just prayed for you and with you, and we did so in the Spirit. Thank you, sir. We do bless you. We receive your blessing. It's very, very important to us. And we bless you with all of our hearts. We bless you with all of our souls. We bless you with all of our might. And we thank you, sir. All of us declare together, be blessed. Once again, all together, be blessed. Amen. 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 C'était Tony Palmer, un prêtre anglican et puis
le pasteur que nous connaissons, Kenneth Copeland, où tu vois comment il a encensé le pape et comment il a béni le et son privilège pour lui comme pasteur protestant devant pas qu'être l'autre leader religieux, il dit qu'il représentait plusieurs dizaines de milliers de monde pour que yo son joie pour yo, pour qu'enfin yo capable. Bon, bah, fait commentaire comme moi t'es pour mettre ça. Lorsque nous lire un article, oui, un article que nous lire dans le journal ça, qui dit que chrétiens, protestants, groupes conservateurs, y a poussé pour que gain la Bible que yo enseigné comme cours ici aux États-Unis. J'avais dit dans toute classe yo dans timoun yo pour yo enseigner yo la Bible, la parole de Dieu. Bon, moi je pense que ça sont bon bagaille. Oui. Ça c'est pour mauvais bagaille puis yo t'a parlé timoun yo de bon Dieu. Mais problème là, c'est à quelle fin? À quelle fin? Moi invite tout pour capable suivre vidéo ça pour capable au moins essayer comprendre à quelle fin. C'est Paula White qui s'est conseiller spirituel de président des États-Unis à Donald Trump qui t'a fait une interview. M'invite au fond tissu tout petit interview ça, m'a retourné sans commentaire. Well, our president continues to advance the faith agenda for all people of faith. I mean, this is ending very, very well as we see that evangelical support President Trump at an all-time historical high. The base is stronger than ever to be able to do so many things within the faith community. He continues to make a huge difference. This is one of the greatest men. And before we start out, we'd like to pray over him. Heavenly Father, we come to you today and we thank you for this nation that was born in 1776. We pray in 2020 it would be born again. Lord, I thank you that America didn't need a preacher in the Oval Office. It did not need a professional politician in the Oval Office. But it needed a fighter and a champion for freedom. And Lord, that's exactly what we have. Father, in the name of the Lord Jesus Christ, we come before you, Lord. We present our president. We come together from all denominations, all races together, as the Bible says, to pray for those in authority. And we ask you, Father, that he can be the Cyrus to bring reformation, to bring change into this nation. And all the nations of the earth will say, America is the greatest nation of the earth. And I declare, God, that you use him to change the spiritual atmosphere of this nation. Father, I give you the praise and I give you the honor. In Jesus' mighty name, amen and amen. There is no better place to begin the new year than right here with so many friends and families, pastors and patriots who believe in the power of prayer, the majesty of creation, and the love and grace of Jesus Christ. Thank you. This evening, we're delighted to be joined by many incredible faith leaders, evangelicals, Christians of every denomination, and believers of every faith. Have never had a greater champion, not even close, in the White House than you have right now. I think you know that. A society without religion cannot prosper. A nation without faith cannot endure, because justice, goodness, and peace cannot prevail without the glory of Almighty God. You know that very well. Our faith is needed now more than ever. With your help, your prayers, and your tireless effort to mobilize Christian communities across our land. Very soon, I'll be taking action to safeguard students and teachers' First Amendment rights to pray in our schools. We're doing a big action. Today, in churches all across our land, believers are defending our God-given freedoms. We need every single person here today to talk to your families and talk to your neighbors and share our message of national renewal. We need each and every one of you to help encourage every single church member. With millions upon millions of evangelical voters, Christian voters, and voters of every faith, we will preserve our heritage. We will defend our liberty. We will reclaim our destiny.
We will strengthen our families. We will build up our communities. We will restore the role of faith and true foundation of American life. God bless you, and God bless America. Thank you. This was a great... So right now, let every demonic network that has aligned itself against the purpose, against the calling of President Trump, let it be broken. Let it be torn down in the name of Jesus. Let the counsel of the wicked be... We declare every demonic network to be scattered right now. We declare right now that there is a hedge of protection over our president, first lady, every assignment, the purpose they carry in the men. We come together from all denominations, all races together, as the Bible says, to pray for those in authority. Father, let your kingdom come. Let your will be done on earth as it is in heaven. Father, I pray for my president and our president. I pray for you to give him boldness. I pray, Father, for him to defy and challenge giants in the world and defy and challenge the enemies in this nation. Father, I pray for him and I raise them up in prayer. We come together in Jesus' mighty name. Let's pray together, may we? Yes. I believe in God. I am Christian. I'm a Protestant. I'm very proud of it. Presbyterian, to be exact. I'm Presbyterian. Boy, that's down the middle of the road, folks, in all fairness. I mean, Seventh-day Adventist, I don't know about. So right now, let every demonic network that has aligned itself against the purpose, against the calling of President Trump, let it be broken. Let it be torn down in the name of Jesus. Let the counsel of the wicked be... We declare every demonic network to be scattered right now. We declare right now that there is a hedge of protection over our president, first lady, every assignment, the purpose they carry in the men. We come together from all denominations, all races together, as the Bible says, to pray for those in authority. Father, let your kingdom come. Let your will be done on earth as it is in heaven. Father, I pray for my president and our president. I pray for you to give him boldness. I pray, Father, for him to defy and challenge giants in the world and defy and challenge the enemies in this nation. Father, I pray for him and I raise them up in prayer. We come together in Jesus' mighty name. Let's pray together, may we? Yes. I believe in God. I am Christian. I'm a Protestant. I'm very proud of it. Presbyterian, to be exact. I'm Presbyterian. Boy, that's down the middle of the road, folks, in all fairness. I mean, Seventh-day Adventist, I don't know about. Chers amis, auditeurs et auditrices de Radio Vision d'Espoir, c'est avec grand pile que content que moi passé du temps avec vous pour nous étudier la prophétie biblique. Moi souhaiter ardemment que vous compreniez, amis moi, tout ça qui a passé. Moi souhaiter que vous fassiez tout ça qui dépend de vous, pour que vous quittez bon Dieu conduire, pour que vous quittez bon Dieu mener, pour que vous quittez bon Dieu agir pour vous, pour bon Dieu purifier vous, pour bon Dieu transformer vous, et pour bon Dieu bénir vous. Moi-même, pasteur Maurice Jean Rénal, l'homme rivé pour que m'aller. Mais m'a demandé pourquoi capable était accroché à Seigneur. M'a demandé pour comprendre que d'ab vive les dernières minutes de l'histoire de notre monde. M'a demandé pourquoi capable comprendre que toute bagaille finie. Et puisque toute bagaille finie, moi même avec nous bagaille l'autre bagaille pour nous faire que nous préparer pour le royaume des cieux. Est-ce qu'on veut les préparer, vos amis, moi? Est-ce qu'on comprend que l'est nécessaire pour qu'on fasse cette préparation? Mandez Seigneur, pour que le capable aide vous. Mandez Seigneur, pour que le capable sauve vous. Mandez Seigneur, pour que les capables agissent dans la vie. Vous. Et dans le moment ça, comprendre que l'histoire se termine ainsi. Et l'histoire se terminera ainsi, mon ami. La fée arrive. Contre la terre finie. Toute bagaille claire que l'image de la bête
est en train d'être dressée. Il n'y a pas de doute, mon ami. L'image de la bête est en train d'être dressée. Et puisque l'image de la bête est en train d'être dressée, et moi montrez-nous clairement tout ça qui a passé, tout ça qui fait, pas toutes y ont parti. M'a retourné encore pour montrer-nous y ont l'autre parti. Mais moi souhaitais ardemment que dans le moment ça, nous capables de prendre un engagement avec Seigneur. Pour nous demander Seigneur, pour que les capables aider nous. Pour nettoyer les yeux nous, pour que nous capables d'être clairs. Pour que nous capables d'ouindre nos yeux. Pour que nous capables d'être clairs, que nous parmi si la yo qui est intelligent. Pour nous comprendre. Est-ce que nous voulons comprendre? Eh bien, si nous voulons comprendre dans le moment ça, nous allons écrire dans le commentaire ou bien dans le chat là. Seigneur, fais-moi comprendre. Seigneur, rends-moi intelligent pour comprendre ta parole. Seigneur, fais-moi pas mis ça qui est intelligent yo, pour que je sois capable de pratiquer la parole. Allez, écris. Seigneur, rends-moi intelligent. Seigneur, donne-moi ton esprit. Seigneur, aide-moi à comprendre. Ce n'est pas tout le monde qui comprend, non, amis, moi. Mais le Seigneur a une possibilité pour qu'on soit capable de comprendre aujourd'hui. Allez, écris, nos amis, moi. Seigneur, aide-moi à comprendre. Seigneur, aide-moi à comprendre. Continue à écrire, amis, moi. Seigneur, aide-moi à comprendre. Aide-moi à comprendre, Seigneur. Seigneur, aide-moi à comprendre ce qui a passé. Seigneur, aide-moi à comprendre, papa. Aide-moi à comprendre, Seigneur. Seigneur, aide-moi à comprendre. Oui, Seigneur. Vle-vous aider. Vle-vous comprendre. Contrairement avec ça, un peu le faux prophète a dit que Jésus a retourné. Et il a retourné très bientôt. Parce que moi, montrez-nous aujourd'hui que l'image de la bête est en train d'être formée. Les protestants, ils ont voulu au pouvoir politique pour être capables de changer le cours des choses et le cours des événements. On nous prie, Seigneur. Éternel, notre Seigneur, notre Dieu, notre Père bien-aimé. Nous bénissons ton nom d'avoir été avec nous dans l'étude de ta parole. Aidez-nous pour que nous soyons capables de comprendre davantage et pratiquer cette parole dans notre vie. Nous prions comme ça, au nom de Jésus, vivant et régnant, au siècle des siècles. Amen. Chers amis, téléspectateurs, téléspectatrices, c'était un plaisir pour moi d'être avec vous et d'étudier avec vous la parole de Dieu. Passez un très bon sabbat sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Et que Dieu vous bénisse abondamment. C'était pour vous servir, votre ami, votre frère, pasteur Maurice Jean Rénal, qui vous dit bye-bye et que Dieu vous bénisse. Ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront heureux les débonnaires, car ils hériteront. Et ce matin, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Je veux essayer en ce moment de vous faire revivre en une minute peut-être les autres béatitudes. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Les pauvres en esprit, ce sont ceux qui se sentent pauvres spirituellement, qui découvrent leur misère, leur petitesse spirituelle, et ceux-là qui se découvrent pauvres spirituellement, ils auront le royaume des cieux. Et quand on se sent pauvre, on va essayer de sortir de la pauvreté. Mais maintenant, lorsque l'on est pauvre spirituellement, on ne peut rien faire pour sortir de la pauvreté. Maintenant, on est affligé parce que l'on ne peut pas sortir de cet état de péché, de misère spirituelle. Alors, on est affligé et le Seigneur envoie son Esprit Saint pour te consoler.
Mais maintenant, en recevant la consolation de l'Esprit Saint, maintenant, une soif commence à grandir en toi. La soif de la justice, c'est-à-dire la soif d'être comme Christ. Maintenant, comme la Bible dit, il n'y a pas de juste sur terre, pas même un seul. Maintenant, toi, tu aspires à être juste comme Christ. Et celui qui aspire à être juste comme Christ, il sera rassasié parce que Jésus-Christ a couvri en bas, robe justice là. Maintenant, l'on songeait que ou t'es pauvre, ça t'est la grande affliction qui t'est venu augmenter soif de justice ou qu'on y a Jésus couvri en bas justice là, et bon dit bon, papi bon pas ces personnes. Est-ce que non là? Bon, papi bon, passer personne, parce que l'autre là qui pauvre en esprit, il faut me vivre avec elle, parce que me songe moi-même de pauvre en esprit tout. Est-ce que nous là? Mais maintenant, ok, donc je suis appelé à être débonnaire, mais pas débonnaire dans le sens négatif, mais débonnaire, c'est-à-dire endurant, puisque dans l'état spirituel, moi, t'es là. Tenez bien, dans l'état spirituel moi t'es, si Jésus t'es capoton solution pour moi, eh bien qu'on y a là, si mon misère matérielle tout, si me fait face à persécution, si me fait face à tribulation, si Jésus t'es qu'à régler les problèmes spirituels là, la terre et tout ce qu'elle renferme est pour le Seigneur, pas de monde qui est grand passé bon Dieu, donc mes persécutions le Seigneur t'es qu'à. Alors je me remets entre les mains du Seigneur. Et je dis non. Je ne vais pas agir contre mon prochain comme si j'étais meilleur que lui. Je vais le considérer comme dans mon état passé et manifester maintenant de la miséricorde. Parce que frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, alors je l'ai dit ici, peut-être dans l'un de nos programmes de prière, il y a des choses que je fais aujourd'hui que je ne faisais pas autrefois, au point de vue spirituel. Il y a des bagailles, c'est après 10-15 ans à servir mon Dieu, moi, je dis, un tel bagaille, je ne vais pas. Autrefois, c'était normal. Mais chaque jour, à marcher sur route spirituelle là, ça me dit qu'on ne fait pas dans 10 ans le bon. C'est ça que fait, mes soeurs, mes frères. Je ne peux pas t'imposer ce que moi j'ai découvert après 15 ans. Je ne comprends pas. M'a conseillé au lit. M'a enseigné au lit. M'a demandé au dégage au prier pour essayer d'y arriver. Là, même pas qu'à voyer dans l'enfer pour ça. Parce que moi, c'est 15 ans que t'es fait. Bah bon. C'est le même exemple, Gemoun par exemple, qui dit qu'il ne peut pas être permanent dans la tête. Pas vrai? Il recevait une révélation spéciale. Mais on entend avec moi, combien de temps il t'a fait pour mettre permanent? 20 ans. Est-ce que nous là? Les fins découvrir le mois passé, pas vrai? Maintenant c'est normal, les gens doivent dire tel, moi recevoir une révélation de Dieu, me trouver que ça pas doit faire, etc. Mais qu'on y a, lui-même qui fait 20 ans la potelle, lui pas mourir, lui là, bon Dieu t'es béni, bon Dieu t'es machiavel, ou pas condamner pour ça? Non, m'gèle pas bon. Gèle m'a baye pia y matin, hein? M'a pas voyer dans l'enfer, pour m'a pas m'a fait 20 ans lorsque l'île fait comment ça fait? Non, m'a senti bon, non? C'est clair? Pour qui ça? Parce que moi, c'est 20 ans que t'es fait dans la situation ça. Maintenant, ce que je dois faire, c'est te conseiller. C'est bon expérience PAM. Bon vie PAM. Qu'on y a là, ça pour le permettre ou dire, ah, ils sont pauvres. Bah bon vrai. Qu'on y a maintenant pour commencer dans l'étape zéro. Mais ou même avant de arriver miséricordia, songez où t'es pauvre.
C'est clair? Maintenant, mes soeurs, mes frères, tous les commentateurs de la Bible admettent pour dire que le trait de caractère le plus flagrant de Dieu est son immense miséricorde. C'est trait de caractère qui est flagrant. N'importe côté, virer mon Dieu ou tourner mon Dieu, ou a besoin de miséricorde. En nous, les 2 Corinthiens, chapitre 1er, verset 3. 2 Corinthiens, chapitre 1er, verset 3. Qui ça lui dit? Il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Parce que bon Dieu, c'est qui ça lié? C'est le Père de la miséricorde, le Dieu de toute consolation. Et tout qui ça pour faire qui ça? Afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon des péchés grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Luc 1er verset 77-78. C'est par miséricorde que bon Dieu fait Jésus quitter tourné pour vivre dans mes temps. Non, c'est en sensibilité, en pitié, toutes entrailles, bon Dieu, mangez-le. C'est un coup de maman qui a regardé qu'il a tué petit lit devant. Entrailles, toute douleur, t'es gain, dans l'accouchement, tout tourné. Mes frères, moi, je voulais attirer l'attention non, sur le fait que la 5e béatitude met le doigt sur l'égocentrisme. Mon mamé. Qui ça me dit? Béatitude ça, il pointait le doigt, hein? L'égocentrisme, le mon, le ma et le mais. Mon intérêt. Par exemple, il y a des gens qui sont dans l'église. Ils n'ont pas l'intérêt de l'église. Mais ils voient leur intérêt. Et pour eux, l'église n'a même pas existé. Depuis, intérêt par eux pas satisfait. Et ils sont prêts à tout détruire sur leur chemin. Parce que ils ne voient pas l'église. Ils ne voient pas l'ensemble. Ils ne voient pas le royaume. Ils voient leur intérêt personnel. Cette béatitude me dit ce matin, je dois mettre de côté mon intérêt et mes intérêts pour rechercher cette fois-ci l'intérêt des autres. Alors les Romains, ils ont considéré miséricorde donc ils ont acte de lâcheté. Bon philosophe romain qui dit la miséricorde est la maladie de l'âme. La miséricorde est la maladie de l'âme. Mais vous savez une chose? Le philosophe le dit dans un sens négatif, mais c'est vrai. Le chrétien doit considérer la miséricorde tant que son malade veut le gagner. Ça veut dire chaque temps arrivé, son moi pas de ta doué paraître, c'est tant qu'on maladie, il ne peut pas résister contre lui, c'est miséricorde qui sortit. En fait, ça doit être vraiment une maladie de l'âme. Premier bagage, je veux dire, c'est que la miséricorde, pas l'autre bagaille que l'antidote du poison qu'est le péché. L'on prend un poison, gagnons l'autre contre-poison, que aurait les antidotes. Donc si vous considérez péché tant qu'il y a un poison, maintenant, antidote là, par l'autre bagaille que la miséricorde. Le mot miséricorde est miséricordieux près de 300 fois dans la Bible. Et chaque fois qu'ils ont parlé de miséricorde de Dieu, ils ont toujours fait référence au péché. Dans 1 Timothée 1er, verset 13, l'apôtre Paul dit, 1 Timothée 1er, verset 13, Paul dit, « Moi, qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur,
un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Qui ça Paul Théier, sœur et frère? Un blasphémateur. Ça Paul Théier, un persécuteur. Ça Paul Théier, un mec violent. Mais il dit toute bagaille ça, il t'a fait par ignorance et incrédulité. Mais lorsque il vient rencontrer le Seigneur, est-ce qu'il continue à persécuter chrétien? Non. À partir du moment que le prend conscience de tort, les repentir et puis le demander pardon. Et comme ça, bon Dieu fait le miséricorde. C'est pourquoi je riais beaucoup ce matin, parce que j'allais en faire allusion à pasteur Viogo qui parlait d'Étienne et de Paul. J'ai beaucoup ri, parce que c'était ce qui était dans ma tête ce matin lorsqu'il parlait d'Étienne et de Paul. Imaginez que Étienne mourit parce que Paul t'est participé dans la lapidation, du moins si tu as gardé les vêtements et les objets des lapideurs. Et puis un grand matin, ben c'est terrible, oui. Un grand matin, Étienne s'est réveillé au son de la trompette et le Sauveur dit, viens entrer dans la gloire du Père. Oh, Étienne réveillé, transformé. Et en entrant dans le royaume des cieux, il rencontre Paul. C'était l'image de pasteur Viogo ce matin. Imagine, oui, mais vrai. Qui est-ce, ouais? Paul. Étienne va croire qu'il s'est trompé de route. Et Pamba sauvé. Parce que il n'y a pas l'ombre de doute que Paul a sa place où ça? Dans l'enfer. Mais le problème qu'il y a, c'est ce que j'ai expliqué à un monde qui ne voulait baptiser pour être Marie. Et c'est comme ça qu'il baptise, c'était cette image que je lui ai donnée. Il me dit, bon, ou pas voulez baptiser? Peut-être Marou, ou Aptan Marou, d'accord, et baptise enfant. Bon, si vous mourrez demain. Et puis après 2 ans, 3 ans, Marou vient convertir. Parce que ça arrive tout le temps, pas vrai? Quand il y a Marou vient convertir, il servit bon Dieu bien. Mes amis, quand il y a l'orgade au lever, même moun ça, pour lui ou pas de vle, bah bon Dieu la vie ou là, ou elle a monté dans le ciel ou même côté. C'est ça que fait la Bible dit que le salut est personnel. Et ça que j'aimerais répéter, et je vous le répète ce matin, frères et sœurs, pas quitter un monde qui va poil dans le ciel, descendons spirituellement pour parler dans le ciel même Javel. Des bagailles au monde faire, c'est bagaille pour camp pas facile pour king. Ou pas comment après bagaille ça pour pas camper bataille. Mais problème qui y est, leur camper bataille avec là, ou vin même Javel. Les joueurs ou jouer. Qu'on n'y a pas qu'à plaindre tel joueur. Pour qui ça? Parce que nous tous les deux, c'est des joueurs ou bien des joueuses. Alors quelle différence il y a, mes frères? Je ne suis pas venu vous inviter à être canonnant, comme le dit le premier ancien. Mais je vous invite aujourd'hui à comprendre que Yon Satan utilisé, c'est pour descendre nous dans le même niveau avec elle. Prends précaution l'église là. Prends précaution mes frères. Pour que monde qui son monde pas parler dans le ciel en attendant avec. Est-ce que le pour aller dans le ciel? Et ça que Dieu a, c'est que le Seigneur connaît qui est-ce qui va parler. Deuxième bagaille, moi, je voulais nous kembe, c'est que la miséricorde est aussi la grâce et le salut. Ça veut dire, bon Dieu, sauvez-nous, pas parce que nous bons, mais parce que lui-même est bon.
Bon Dieu pas sauvé nous en fonction de sa bonté. Alors il y a des gens, lorsque le prédicateur parle et exhorte les gens à vivre bien, ils disent alors, le prédicateur pense lui-même qu'il est saint. Mes frères, vous n'allez jamais comprendre la douleur qu'il y a dans l'âme d'un prédicateur de la parole, de pasteur, lorsqu'il prêche une chose et qu'il essaie de faire le lien entre sa vie et ce qu'il prêche. Et il se demande tout le temps, pasteur Evan, c'est ce que je dis, est-ce que je suis qualifié à prêcher ce message? Parce que le fait que le prédicateur prêche la sainteté, cela ne veut pas dire qu'il croit qu'il soit saint. Mais ce qu'il est en train de faire, il invite d'autres à ne pas sombrer dans les péchés que lui-même aussi il a commis et qu'il ait une équipe pour l'aider à lutter ensemble vers la sainteté. Mes soeurs, mes frères, et c'est une grâce particulière. Si vous voulez avoir un prédicateur, un pasteur qui vous dit « J'en ai un nom bon », je vous donne garantie que vous y en enfer. Et lorsque le pasteur vous dit « J'en ai un ou pas bon », c'est pas que l'île bon, mais c'est parce que l'île, moi-même, l'île même avant, c'est même bagaille. Maintenant que nous avons besoin de changement, nous avons besoin d'une transformation et que c'est pas bon, mais c'est grâce Jésus faire. T'en es bien. Jésus pas ta besoin mourir. Si ça me fait, qualifiez-moi pour le ciel. Ça n'est que fait ça m'a fait. Oh. Ça n'est que fait ça m'a fait. Oh. Et puis vous êtes qualifié d'office. Mes frères, seul le Saint-Esprit capable de soumettre nous à une métamorphose pour que nous miséricordieux tout bon. Parce que, attendez, si la miséricorde est un attribut divin et nous sommes humains, écoutez, la tâche est difficile. Comment est-ce que nous avons une miséricordieux? Heureux la miséricordieux. Mais comment nous avons une miséricordieux? Puisque c'est un attribut divin. Mes frères, c'est la même chose que je vous dis pour des bonheurs. Vous n'êtes pas des bonheurs naturels. Il y a un monde qui est naturellement doux. D'où la pas veut dire rien. Parce qu'elle n'a pas fait effort pour ça. Il pas traité école durement, d'où bon Dieu besoin, son monde qui pas de jambe d'où, qui pas cadou, et qui tellement fait expérience à bon Dieu, à cause de bon Dieu le vin d'où. Non, nous ne pouvons pas comprendre. En sorte que, puis qu'on rentre sous tes violons, bien sous violons, parce qu'il y a une possibilité pour vous, pour vous. Et c'est d'où ça, qui c'est d'où tout bon. Parce que, ou pas d'où naturellement, ou pas doux parce que telle mère, telle fille, tel père, tel fils. Ou doux, pendant qu'on pas doux, même j'ai avec l'apôtre Paul, parce que l'on rencontre Jésus, Jésus fait transformation dans la vie. Où? Ellen G. White déclaré dans Heureux ceux qui croient, page 26, 3e et 4e paragraphe. Dieu n'est pas vindicatif. Il ne cherche pas à punir, mais à sauver. Attendez, la sévérité même dont parfois il fait preuve dans ses interventions a pour but le salut du méchant. Les bons dieux sévères. Est-ce que bon Dieu compte sévère? Bon Dieu compte sévère? Nous sûr? Lorsque bon Dieu fait preuve de sévérité, Bully c'est pour qui ça? Pour sauver méchant. C'est pour le sauver méchant qui fait les sévères envers. Pour le sauver, mes frères, mes soeurs. C'est vrai, c'est pour le sauver. Mais il voulait retirer en bas culpabilité. Il voulait sauver et retirer en bas culpabilité. Et ça fait parfois, bon Dieu obligé pour un matin. Non, gueule nous pas là. Gen un monde pour bon Dieu retirer nos situations, ça l'oblige faire. Li prend un marteau. Li prend biré. Et puis qui ça l'a fait? L'a frappé pour voir s'il a décollé. Décollé ou détaché d'un mal, d'un péché qui environnait. Mais lorsque bon Dieu fait ça, c'est raï.
Le bon Dieu te pété je Paul là pendant 3 jours. Raïe bon Dieu te raïe Paul. C'était pas pour le punir. Mais c'était pour appeler à prendre conscience que Jean lié à. Il pas carré comme ça. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Qu'il est un monde miséricordieux. Qui monde qui a joué une miséricorde? Faut que moun nan miséricordieux. Qui est-ce dans nous là l'intérêt nous menacer, nous pas protéger tête nous? Ou qu'on ouait des moun qui a parlé moun mal, détruit moun, et puis le jour où yo parlé au mal, yo vle mourir. Nous pas connait ça, non, nous pas connait ça. Moun nan prend moun nan détruit. Et puis les jours, ils ont dit, bagay sou li ki bagay ken. Et pourtant, c'est la mort. La mort de son âme. Tendez mes frères. Moun ki miséricordieux, c'est moun ki a compassion pour pauvres. Moun ki a compassion pour affligés. Moun ki a compassion pour opprimés. Moun ki a compassion pour pécheurs. Et ça que fait parfois. Yon parole opportune, yon regard de sympathie, yon témoignage d'estime, capable bouillon moun kap souffri, tant qu'on vè de l'eau ou bal pendant soif aptouil. Gen regard moun bo, c'est kouil kouil, il est kouil tout kouil, pas vrai? Nda men nou chak ki la, nou gade moun bo kote noua avec un regard d'amour. Ben moi qui est-ce qui a fait ça? Un regard d'amour. Un regard d'amour. C'est pas facile. Gen moun ki ta vle bay regard à moi mais ou pas capable vrai. Un mot aimable. Un acte de bonté. Ou pas konnen comment ti bagay tout petit on moun fait. Nan vie on moun ils font différence. J'étais un jour désolé. Désolé. Et puis je sortais à la faculté de théologie. Cette période-là. Et puis je conduisais. Même esprit moi. Pas connecté du tout avec réalité. Et puis m'aller pour monter sous un dame. Des fausses machines qui ont touché à dame. Et c'est là sa machine, m'a kon ki l'aime freiner. Et puis, m'a connaît m'entraver parce que l'homme qui frappe mon Haïti. Il met pour où, pas vrai? Et puis il va pas parler la police, c'est pas ça, vous comprenez? Li mette pour où? Mes frères, et puis, dame nan gade moi, me dit, mais, me paraît tête, moi, me dit, m'excusez. Et puis, il gade, mais, tu pas besoin de fatigue. Et puis, il sourit. Tu pas besoin de fatigue. Ça peut arriver. Me dit, bon Dieu, merci parce que, ou te get en ouais, ou pas frapper. Merci en pile. Quand dame nan dit merci parce que pas frappé. M'pa caché d'où ça. C'est raison ça qui fait m'passer reste journée reste semaine nan bien. Et m'obligé proposer dame nan dit quelque soit côté pour aller. M'a menon. Et en fait m'ba roule libre. L'étape monter d'Elma et puis m'casser tête tout. Madame pas comme ça non. Et puis, je me casse tête, tourne mal, déposé en haut d'elle, tellement moins. Parce que pour ça, pour j'aime désolé. Et puis, qu'on y a là, pour me d'avoir pour un deuxième show, nous comprenons? Et pour les gens d'amener réagir, ça fait bien. Mais frère, un petit mot aimable important pour le monde. Moi, je ne suis pas un expert dans les mots aimables.
dans mes relations avec les gens face à face, ok. Mais mes frères, un petit mot, quand mettez vie, oui, dans le monde. Mes parents m'ont appelé cette semaine et ont été et m'ont demandé de saluer Dr Bozil. Ils ont été heureux parce que pour les mots de Dr Bozil à Boston, à l'église de Salem de Boston, je savais que Dr Bozil m'appréciait, mais je ne savais pas qu'il m'aimait à ce point jusqu'à bénir les entrailles de mes parents là-bas. Mais vous n'imaginez pas, mes parents n'ont jamais pensé que je serais pasteur. C'était pas dans mon plan. C'était pas du tout dans mon plan. Et c'est quand je suis devenu pasteur que mes maman me levait des mains, elle dit amen. Béni soit l'Éternel. Cela veut dire elle souffrait dans son cœur. Elle voulait de ça. Mais elle n'a pas osé me le dire. Et c'est ce jour-là que je découvre. Mais vous savez, chaque moment que papa me relève, qu'elle me saute. Pour qui ça d'après vous? Côté haut et à haut compte toute bagaille. Vous comprenez? Et lorsqu'il m'appelle, c'est prenez précaution. Prenez précaution. Voilà, prenez précaution. On est obligé de prier pour vous matin, midi et soir. Donc tu imagines peut-être la douleur qu'ils ont chaque jour de pouvoir faire face à certaines choses et de prier pour leur fils. Et qu'un jour quelqu'un les a dit, vous êtes bénis parce que vous avez un pasteur qui fait le travail de Dieu. Encore une fois, merci Dr Bozil. Mes frères, nous sommes nègres dans la Bible. Ah ouais? Yon nègres dans la Bible que y aurait l'homme selon le cœur de Dieu. Nous connaissons un homme violent, ah ouais? T'as de bien. Ma bon. En général, raison qui fait yon dit son homme selon le cœur de Dieu, yon toujours prend l'exemple de... En allez. L'exemple de... De Beersheba, pas vrai? C'est toujours l'exemple ça au moins parce qu'il reconnaît ton lit. Mais mes frères, il y a d'autres exemples qui plus font encore que l'exemple de Beersheba. Parce que si, que mon Dieu sont que miséricordieux, elle dit, mes amis, eh bien, démontez, non, démontez ça nous couvre dans le lit. Tenez bien. Si, que bon Dieu sont que miséricordieux, elle dit, un homme, selon son cœur, ça veut dire, un homme, ça semblait, un cœur qui semblait avec, bon Dieu. Ça veut dire, nous, t'as qu'à fond produit croisé, pour nous dire, semblait, c'est pas ta question, bah, c'est pas vrai. Parce que bon Dieu, pas qu'on péché pour le repentir. Est-ce que nous là? Ou t'as qu'à faire une digression? Mais, gardez bien pour vous. Non, ça y aurait les David là. Monsieur, frère, il méprise elle. Et lorsque monsieur a serré dans la caverne, frère, vient jouer lui. Malgré tout problème, frère, à tes balles, frère, vient jouer lui. Les cap li embrasse, frère, et puis ils concluent en alliance, puis ils n'ont jamais de problème entre eux. Mais c'est pas possible. David, il y a 400 nègres avec lui, qui nous en écrasé. Et puis le nègre qui mettait dans la fuite, là, les finales. Il fait alliance avec elle. En nous songeant au deuxième cas, Saül a pourchassé David pour tuer elle. Maintenant, David arrive à un point. Mais en même temps, ce n'est pas David qui choisit roi. C'est l'Éternel qui choisit le roi. Mais en même temps, l'Éternel choisit le roi. Il veut manger au bout, ça, oui.
Si l'Éternel choisit, les douces lames m'appmetto en danger de semaine m'appmetto. Ou je joindre mon rail ou parce que c'est dans bon son chita, oui. C'est pas David qui choisit. David seul t'a fait mes frères. Mon ton lit t'a regardé. Est-ce qu'elle t'a même pas quoi David te jambe qu'on roi en ville. Parce que c'est dans rage à lui. Lui était. Et dans rage à lui était. Mais maintenant, bon Dieu choisit le boulot. Pas pour même qu'on y a, non? Pour combien de temps? On ne peut pas faire calcul là si c'est 10-15 ans après. Pour des temps après. Parce que les bon Dieu fin ni, les Samuel fin ou ni, hein, c'est pas là. Même il était un enfant, il n'était pas devenu roi au même moment. Mais parce que les gens pour devenir roi, ça il pas vle. Ça il pas vle ou nègla pour un bagay que nègla capable de devenir. Dans 10, 15, 20, 30 ans, gen moun ki rayi moun même pour votre futur, même pour leur futur. Pendant ce temps, mon n'a pas mourir, il n'a pas même réalisé. Quand c'est une promesse de Dieu, il a réalisé. Quand même. Mais quand ce n'est pas promesse de bon Dieu, ça peut arriver que mon n'a pas mourir. Maintenant, Saül décide de tuer David. Pendant David n'a caché, il rentre en côté qui est-ce qui a dormi. Ça il a dormi, mais il n'y a pas de ici, son grand fait de grand de bois. Qui était Josie. Monsieur dormi perdu. Monsieur dormi perdu, il n'y a pas de rien. Oh, rien. Il n'y a pas de rien. Tellement que David râle et pile. Les couper un petit morceau dans le menton. Mes amis, c'est pas un bon moyen David gagne pour te touiller Saül. Eh bien, David qui te coupe tête Goliath. Attention, Goliath pas te fait David. Hein? Goliath te soulevé l'armée de. Maintenant, David coupé. Nous, avons différence de faire. Dans des bonheurs. Laissez intérêt l'armée de l'Éternel ou pas dans jouer. Mais quand il y a comme c'est d'ailleurs personnellement lié, il n'y a pas qu'à couper tête. Ah, je ne sais pas quoi nous comprenons ça, je dis là, non? Comme c'est d'ailleurs même lié, qu'on n'y a pas qu'à couper tête. Parce que vie parle pas sous compte lui, vie parle la main. Les dit, mes amis, ça a eu son moins de l'Éternel. Et puisque Saül son loin de l'Éternel, moi pas qu'à lever même, frapper un loin de l'Éternel. Tendez bien, David t'a qu'à dire son loin lié, il t'a qu'à frapper l'autre loin. Parce que oui, ça son loin méchant, son loin cruel, son loin qui jaloux. Les jaloux pour qui ça? Parce que chanter à chanter, que Saül touye 1000, et puis David 10 000, et Saül touye 10 000, et puis David 100 000 pour ça, oui. On vient chanter, oui. Bon, je dis, parfois, les noirs félicitons les gens devant l'autre. Nous mettons, nous mettons les gens en danger, oui. Mais voilà, c'est ça que fait moi, je barre mes félicitations. Parce que plus je prends félicitations, plus je me problème. Mais pour qui ça, oui? Pour seule raison, ça, oui. Ça, il bavle, oui, David, oui. Ça, il te l'albat calbat à Goliath. La mer, comment la mer, la mer philistine, fait combien se mettre à insulter, à bailler des filles, lui même comme chef, il bat kafanien. Maintenant, si David tout petit paraît, lui dit, m'a pas avancé au nom de l'Éternel. Et le peuple éternel la victoire, parce que le peuple a gagné la victoire, il vient remettre David. Ça, il veut manger David, oui. Et ça, il jurait, là, pas gagné le peuple fait pour éliminer David. Mes frères, mes soeurs, les hommes peuvent jurer pour vous éliminer. Il y a quelqu'un qui me déclare, il y a quelque temps,
je serai le plus grand ennemi que tu auras dans la ville de New York. Je vais te démonter. Tu as ton micro, moi j'ai autre chose. Je vais te démonter. Je vais te dénigrer. Là, devant plusieurs personnes, hein. Je vais te démonter. Je vais te dénigrer. Je vais faire la propagande partout contre toi. Toi, il n'y a que les gens de Gethsemane qui t'écoutent. Mais moi, j'ai les moyens pour te détruire jusqu'à ce que tu arrives au point où l'on révoque ta licence de pasteur et que tu ne puisses pas donner la nourriture à tes enfants. Et il a juré qu'il le fera. Mais mes frères, quelqu'un qui est déjà mort n'a pas peur de mourir. Quelqu'un qui a passé non mon yo kidnappé, le papa mon kidnappeur. Yo mon yo parler mal en pile en ville. Il pas de problème mon parler le mal. Mais il y a un jugement. Il y a la main de l'Éternel. C'est pourquoi dans ma prière chaque jour, Seigneur, si j'ai fait du tort à quelqu'un, je suis prêt à accepter ta punition. Mais si toi tu m'as choisi pour être ton serviteur, pour mettre l'ordre et la discipline dans l'église et pour préparer le peuple de Dieu pour le ciel, et que sur ce chemin je rencontre des ennemis nombreux, qu'ils soient tes ennemis, non mes ennemis. Et toi-même, que tu en prennes soin. Écoutez, mes frères, attendez, oui. David râle et péa, il tape, lui. Et puis, qui ça le fait? Non, il va arriver là, même non, là, là. Ah, mon cher. Bon, dieu, si même le ouais, monsieur manifeste miséricorde envers Saül, si Saül lève le ouais, monsieur devant là, c'est Marel qui fait Marel tout lui, malgré lui, il sauve lui. T'as des gens qui raillent où là? Pas gagnant fait. Non, c'est pas vrai, pas vrai, pas vrai. L'homme ne pas vrai, ou pas gagnant fait qui bon. Même ça, on fait en faveur. Même le sauveur. Même le délivrer. Même le protéger. Même le pardonner. Même le prier pour lui. Ou une pipa bon. Mais maintenant, regardez mon frère David. Qui ça David fait? David, papa, il coupe tête. Hein? Je vais me poser une question. Est-ce que David te coupe tête lui? Monsieur te capable? Et ça fait le coupe tête lui? Li di mwen pap manye yo. Owe de l'Éternel. Mais li di le tout le pap fait vengeance. C'est pas ça? Parce que ça c'est problème perso. C'est problème personnel li. Donc problème personnel li. Li pa coupe tête pour nous. On l'autre exemple. Jonathan vin fait alliance avec David. Frère oui. Vin fait alliance avec elle. Maintenant là. Jonathan pour aller mourir. David te fait une alliance pour te prendre soin. Toute descendance lui. Maintenant, monsieur mourit. Et David protégé Mephibosheth, petit lui, et prend soin. Pendant ce temps, ou en place, tu voulais tuer toute descendance, monsieur. Attendez, si tu as tué toute descendance et demi, ça voulait tout content, ou retirer non ça de la face de la terre. Ça veut dire David vit moun qui fait non ennemi, prospérer, rester pendant un certain temps. Absalom. Mes amis, nous comprenons. Pour petit. Pour petit David, oui.
Absalom. Petit David levé contre David. Petit David levé contre David, oui. Pour petit David, oui. Elle essayait pour tuer David. Qu'est-ce que David fait? David dit non, maudit le jour que je te mets au monde là. Et ça, David dit? Hein? Pour au fin font petit qu'on a petit la décider tout yo. Mes amis, indignation seulement. David dit non, non. Mais ça aurait l'homme selon le cœur de Dieu. Hein? David dit non. Je vais mettre mes sous lui. Parce que gon alliance éternelle entre mon papa et petit. Tandis là, on fait alliance avec les hommes qui ont trahi. L'on compte sous les hommes qui ont trahi. L'on compte sous les amis qui ont trahi. Mais l'on compte sous bon Dieu, je me trahir. Bon, où est David même, David malade, oui? Lorsque Saül mourit, David crie tant que tu m'as petit, oui? Mais dis-moi bien, où est-ce que l'explication? Dis-moi quelle explication, où est-ce que l'explication? Yon nek qui te vle tout yo! Quand y'a bel mou! Mes amis, bagala, Dieu, oui? Moun nan te vle tout yo! Quand y'a pas ou tout yon? Ou te jouen tout yon ou pas tout yon libre? Mouil, mouil, oui? Qui ça David fait? David dit, hey, nous jouons justice. David criait à coup de Simon Piti. Et puis ils font chanter. Les héros sont tombés. Ils font chanter pour ça, et lui. Nous sommes ça, papa. Les héros sont tombés. Mes amis, qui héros tombés à la fin des jours de Saül, comprenez-vous? Saül a tombé dans l'idolâtrie, bagaille Saül, ouais. Mais Saül te connaît combattre pour l'éternel. Avant. Maintenant, David font un chant pour lui. Les héros sont tombés. Bon, mes amis, qui moun ça David y est? Bon, moi, moun qui compte ça matin. Bon, moi, moun qui t'écoute David matin. Moi, deux mouns qui levent mes mains. À mon troisième moun. Ouais, m'dans d'un moun qui bague sa pièce. Mes frères, ouais, comment bague la Dieu? Mes amis, ou quoi, moi, même, d'ap capable? Comme si m'connais Stelly. Eh ben, en ville, en vie, tout yem, non? Il décide de tout même, il prend un zam dans le tirer sur moi. Et puis qu'on y a là, pour dire, Estelle, où t'es là avec nous, t'es ensemble. Où t'es dans la l'église, où t'es dans la direction de l'église, où t'es dans le comité de l'église. Et puis pour faire ça, nous déchaîner. Quand Estelle est mourue, même en termes de m'a chanté. Et bien vrai? Comme si nous voulions chanter de manger. Elle chante-t-elle quand même? Oh, Estelle, excusez. Bah, tout mal mourir, non? Excusez, madame. Bah, contre, si nous comprenons le problème, non? Mais frère, c'est vie bon Dieu, c'est pas. Mais frère, moi, c'est prier, ma prière pour bon Dieu, fais-moi comme ça, oui? Parce que bon dieu on bagaille comme humain, gen bagaille on moun faire. Ou pas bon bagaille qui rivel, ou pas ni chaud ni fret. Ou gen doit pas réjouir. Mais ou comprend. Et moun ça on y est pas tête trop. Et pas vrai? A moun ça bat col trop. Ou pas dil. Mais gen doit ouf. Ou quand même dit bon soulager. Yon ennemi en moins. Ou quoi comprendre mes frères? Mais frère, c'est. Quel monde qui pense que c'est facile comme ça? Ou... Parce que c'est la vie, bon Dieu, son bagage qui est dur.
Mes amis, quelle est c'est pas vrai? Quelle est c'est pas vrai? On va être facile. C'est pas facile, non, mes frères. Bon, sac pied là, yo commande de moun chanter funérailles là. Et puis me paie parce que on pas connait qui sa famille, yo pour le dire parce que yo connaît moun ça avec me batté. Et si m'ta doit chanter funérailles ça, faut me veiller qui ça m'a dit. A fait question qu'un petit micro portatif pour virer à droite, virer à gauche, non, c'est qu'un bête feuille papier devant moi là. Pour me lire tout point, toute virgule, pour me rassurer, tout samedi mesuré. Et pas vrai? Mais faut qu'on comprenne comment le difficile. On m'a détruit la vie, il détruit la famille, il détruit la réputation, il dénigre. Il fait propagande. Utilisez tous les moyens pour faire propagande. Et puis pour dire, je te pardonne. Comment qu'on est non, oui, non, te pardonne. Non. Mais ce n'est pas facile. Pour qui ça me dit ça? C'est pour comprendre que son lutte où il est. Mais ça me dit, l'ancien n'est pas facile, non? Parce que pour l'ancien, faut l'homme sur le cœur de Dieu. Nous qui blâmons David, combien non nous là qui t'es même déjà David là? Mais une mauvaise nouvelle pour vous. Si ou pas tant que David, ou pas comme ça, ou même pas quelqu'un de béchot qui va donner. On va te comme ça. A fait nous problème nous grave matin. Tendez, heureux les miséricordieux car il obtiendra, il obtiendra miséricorde. Qu'on y a si pas manifesté miséricorde envers lui. Est-ce que moi m'a joué une miséricorde? Eh bien, ça veut dire, bon, je en bagaille. Si ou gon bagaille ou a plutôt contre lui, ou gon gros péché devant bon Dieu, ou gon sentiment de culpabilité, ou demande est-ce que vous pardonnez vrai? Ou gon seul bagaille pour faire, elle manifeste miséricorde envers moun qui te fait bagaille qui pirait de là. Ah, nous pas d'accord? Moun qui nous pas d'accord, hein? Moun qui fait crier plus là. Moun qui fait cœur sauter plus là. Please, please. Alors, pardonnez moun ça. Ça veut dire sous manifester miséricorde envers moun ça. Qui ça qui a privé? Ou même, en retour, ou abjoint miséricorde. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Parce que t'es bien, si bon Dieu va te faire miséricorde, ou quand t'as caché ta là bien, boîte de comme ça. Mais maintenant, sous besoin, rémission pour tout péché au passé, pour tout péché passé, qui ça vous fait? Alors, qui ça vous fait? Pardonnez moun qui te fait mal. Tout ça me dit là, mes amis, me reconnaître, moi, ma voix, il n'est pas facile pour nous. Là, l'apôtre dit, je traite mon corps durement, c'est ça, oui? Que vous avez sauté, que vous voulez racher ou ta bataille. Mais vous avez battu pour faire. Oh Jésus, vous êtes capable, vrai. Vous avez bataille à tête ou. Seigneur, je ne suis pas capable. Vous avez bataille. Dis bon Dieu, aidez-moi. Ça veut dire, attendez bien. Avec la chair, vous n'avez jamais réussi. Mais avec l'esprit, bon Dieu, vous êtes capable de réussir. Si bon Dieu fait grâce, mettez l'esprit là où a réussi. Regarde, on sait de mon nous prend. Ou entend nous avec eux. Ou prend eux de en bas. Ou fait eux monter. Ou mettez eux sous monde. Et puis c'est même monde ça qui campe contre vous. Mes frères, c'est dur. C'est dur.
C'est pas facile pour accepter ça. Mais pourtant, bon Dieu dit, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Bon, il y a des gens qui ne sont pas dans la miséricorde, des gens qui viennent devant et qui viennent demander pardon. Même laisser au canton, ils ne sont pas d'accord. Nous ne savons pas où ça fait. Nous allons devant l'autre, là, mon frère, ma soeur, nous vivons ensemble. Nous vivons en paix. Dame nous bail la même, dame nous vivre tout des amis. On nous fait ça. Non, non. Il va en faveur, non? Il décide de prendre en faveur. Alors là, t'as avec moi, pour aller dans le ciel comme ça, si comme ça. On va pas aller. Alléluia. Mais frère, c'est pas facile, mes frères. Mes frères, c'est prier, m'a prier, c'est demander, m'a demander, bon Dieu, force pour moi, si m'a fait ça, parce qu'elle n'est pas facile. Alléluia. Mais faut nous prendre conscience pour nous connaître que faut nous obliger à faire ça, si nous pas fait ça, nous pas prendre l'ancien. Moi, me dis un bagaille. Satan pas tap kage privilège pour semer la troupe balaye. Non, l'église, dans l'église, non. Si nous tous nous te miséricorde. Non, nous pas d'accord. Parce que Satan utilise les gens qui sans miséricorde pour blesser ou pour manger ou pour dévorer ou. En sorte que si nous même comme l'église nous avons problème, seul problème nous avons c'est problème miséricorde là, oui. Parce que la miséricorde, la charité croit tout. Elle espère tout, elle supporte tout. Mes amis, qui ça m'a dit là? Est-ce qu'elle m'a supporté toute bagaille vraie? Mes frères, je ne suis pas capable. Je ne suis pas qu'à supporter. Et pour te fuck, moi. Mes amis, comprendre comment nous louons le ciel là, oui. Il y a des choses qu'on ne peut pas supporter. Il y a des choses qu'on fait ou pas. Ou pas comment pour mettre les retirer dans l'esprit ou pas capable. Il y a des choses qu'on dit sur ou mettre ou pas capable. Et pourtant, il faut faire quand même. Le problème, moi, matin. Comment je peux le faire, je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable. Les dire. Mais il faut le faire quand même. Le royaume des cieux est forcé. Bagala Dieu, frère Maxime. Attendez, Jésus pas dit heureux les cœurs sensibles. Gen moun moun nan reconnaître qu'elle fait du temps et puis ok qu'elle fait sensible. Gen moun nan crié et puis bon, il pardonne. Dis-moi si dit le pardonne. Mais pas vrai. Quand elle fait l'autre bagarre encore, il rappelle ou songe ça que faut faire. Heureux les miséricordieux, c'est pas heureux les cœurs sensibles. Parce que cœur sensible là, c'est n'est que seulement lié. Heureux miséricordieux, avec les doux poser acte de miséricorde. Il faut poser acte de miséricorde là. Faut descendre vous dire, frère moi. Sœur moi. Il faut grâce. Ou bien m'ando grâce. Même si je connais Frère Boudou, pas d'accord. Mes amis, ce n'est pas facile. Mais Frère, je ne vais pas faire ça, non? Bon, si je peux me présenter devant Frère Boudou, c'est la saleté qu'on va gagner, non, même. Non, mais puis tout finit avec moi. Ou comment je vais faire? Ce n'est pas facile pour me faire ça. Mais frère, ce n'est pas facile, non, mes frères. Il faut me faire quand même.
Faut me faire quand même. Parce que mes plus gros problèmes qui gagnent, même l'offre fait l'autre toujours doute, est-ce que mon nom accepte le vrai? Est-ce que mon nom pas toujours la planifier pendant ou même, ou planifier pour faire la paix avec elle, ou même la planifier pour le couper tête ou? Mes problèmes là, ou pas comme ça pour faire, ou peur? Et pourtant faut faire quand même. Faut faire quand même. Ou pas qu'à faire. Et qu'on y a ça pour faire. Boulet. D'accord, perdu. D'accord, perdu. Chop, je prends un ministère pour me perdre, mettre sous lui. Alors maintenant, je dois dire au Seigneur. Je ne peux pas. Je n'ai pas de force pour me faire ça. Même bande pour rentrer dans le cam, pour mettre une bombe de consolation, pour mettre une guérison dans le cam, pour mettre cet esprit, pour qu'il permette que malgré moi-même, j'ai courage pour me pardonner, frère, pour me faire miséricorde envers lui. Sinon, c'est pour grand merci. M'a prêché. Sinon, c'est pour grand merci. M'a prié. Sinon, c'est pour grand merci. M'a venu dans 7-7. Sinon, c'est pour grand merci. M'a venu dans 40 jours. Tenez bien. Être miséricordieux, ce n'est pas une option, ce n'est pas un conseil, c'est un commandement. Ce n'est pas une suggestion. Et ça que l'on dit, si un monde ne peut pas pardonner l'autre, lui-même n'a pas rien droit à pardon. Dans Jacques 2, verset 13, il dit que le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait de miséricorde. Ça veut dire au dernier jour, lors du jugement, bagaille bon Dieu pour le tenir compte de lui, est-ce qu'on t'a fait miséricorde? Pour moi, est-ce qu'on mérite d'entrer dans celle-là? Mes amis, combien de nous là, dans le registre là, il y a pour où t'a fait miséricorde d'elle? Mes frères, mes soeurs, nous avons même demandé nous tout matin pour nous faire même genre avec moi. Pour nous chercher moyen pour nous faire miséricorde. Pour nous prier, bon Dieu, pour aider nous manifester miséricorde là. Et avant de finir, il faut que moi retirer un mythe que j'ai toujours répété dans notre église, que bon Dieu préférait la miséricorde et non le sacrifice. Pour que quelqu'un qui dit, ça veut dire, puis qu'on fait effort. Pas vrai? Ou pas besoin de faire sacrifice, c'est juste pitié, pardon. Et bien ça va ça, vous l'avez dit. Non, et bien ça. Oh, puis go fait effort, puis go, et ou pas besoin nan dou, pas habiller tel gens, ou pas nan fè bagay, on sait de bagay nan sabbat. Ça c'est sacrifice, bon Dieu, c'est miséricorde lui. Et bien ça va ça, dit. Et bien, comme ça, nous, on toujours répète. Chaque temps, nous, yon barre nous, oh bon Dieu, pas vle sacrifice, c'est miséricorde. Mais regardez, menti, et bien ça. Ça c'est menti, ça pas théologie adventiste. C'est pas vrai, c'est pas ça, je veux dire. Mais ça veut ça dire, non? C'est dans Osée 6, verset 6, oui, il montre ça. Que bon Dieu dit, il ne prend pas plaisir dans le sacrifice et dans la miséricorde. Et puis devant, il parlait de qui ça? Il parlait des holocaustes. Ça veut dire qui ça? Si vous venez faire un sacrifice, vous venez tout un petit mouton, vous venez présenter une offrande à l'Éternel. Et pour pas de miséricorde pour frère, pour soeur là, sacrifice ça va agréer. Pas prendre sacrifice ça dans le sens du mot français, du mot sacrifice, mais ça dans l'économie du sanctuaire. Pas que côté m'passe m'battre de mon après-midi ça, oh, c'est miséricorde et non le sacrifice, juste pour le dire, fait tel bagage. C'est pas ça. La parler de holocauste, de taureau, de mouton, de sacrifice sur l'autel. Bon Dieu, pas prend plaisir. Tenez bien, c'est pas gros sacrifice pour faire.
C'est un sacrifice français, pas vrai? C'est pas un gros sacrifice pour faire pour gagner miséricorde pour le monde. On a les, et bon gros bagaille. C'est pas bataille pour battre la tête, ou? Donc c'est pas sacrifice français dans le sens fait effort. Non, c'est pas ça. C'est vos offrandes, vos chants de louange. Votre culte d'adoration ne peut pas être agréé dans la mesure où même on va gagner miséricorde, parce que c'est miséricorde là qui intéresse bon Dieu. C'est pas toi, c'est pas offrande là. Et ça veut dire. Alors mes frères, mes soeurs, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, je commence à avoir des problèmes. Combien de cultes d'adoration me fait cette semaine là? Qui agrée par mon Dieu. Combien ça va moi avant nous venir là, nous chita, nous chanter gloire et gloire à l'Éternel, combien vrai qui agrée. Parce que bon Dieu pas prend plaisir dans sacrifice là, dans offrande là, il prend plaisir dans miséricorde là. Pendant que me viens adorer, mon cœur est rempli de haine. Parfois, je suis dans le même département avec moi, je suis salué, je suis chita à hôtel, je suis prié avec lui. Bon Dieu dit que, quel que soit sauf fait dans l'église, il ne prend pas plaisir là-dedans. Combien de fois je campe et je prêche, est-ce que la prédication agréée de Dieu? Si mon cœur est rempli de haine et que je veux voir le méchant périr au lieu que je vois sa conversion. Mes frères, ce qui m'intéresse ce matin, c'est ma conversion, c'est ta conversion, c'est notre conversion. On peut me rendre fou, diable, on peut faire de moi le pasteur le plus méchant, le plus impénitent qui soit jamais, mais je dirai toujours, mes frères, j'ennuie, j'aimerais m'avoir, non pas bon. Nous pas qu'arrêter comme ça. Si c'est dans le ciel, nous voulons aller, faut que nous commençons à faire miséricorde, ça veut dire, faut nous commencer à pardonner, monde qui fait nous qui chante. Mais encore une fois, d'accord, c'est pas facile. Trancher à dur, mais faut qu'on fasse quand même. Et seul jour qu'à faire, c'est demander Saint-Esprit bon Dieu pour couvrir. Parce que le Saint-Esprit bon Dieu couvrir, le Saint-Esprit guider, le Saint-Esprit marcher avec. Bagaille qui était trop pour bon Dieu a bon victoire sous lui. Songez, combien de fois déjà bon Dieu bon victoire sur ce de péché où tu gagné. Victoire sous iniquité, victoire sous adultère, victoire sous langue longue, victoire sous volant, victoire sous fait ça qui mal. Bon Dieu, bon, pile victoire déjà. Qu'on y a une dernière victoire, ou besoin de demander bon Dieu, l'on demande bon Dieu victoire ça, à tout cœur, à toute conscience sous le Seigneur, bon victoire ça, et l'on finit remporter victoire ça. Toutes sortes déjà dans la vie, comme péché, le Seigneur dit me faut grâce. Matéan, Géon moun nous doit demander pardon. Matéan, Géon moun nous doit dire ma fort grâce. Matéan, Géon moun qui doit dire fais-moi grâce. Aussi, je te connais moun moi fait tout matéan. Ma descend pour me demander grâce. M'a demandé le pardon. M'a dit le miséricorde. Et nous, chaque qui là, nous avons un monde pour nous demander grâce. Mes frères, pendant que je vous parle là, je suis en train de faire un rêve. Je suis en train de voir le Seigneur qui descend du trône, qui apparaît là à l'Empire Boulevard. Et je vois vos visages. Certains ont les ailes
qui pousse vers le ciel. Et que je vois un membre, deux membres, trois membres, quatre membres qui ont passé 52 sabbats ici avec moi, qui ont passé plusieurs séries de 7 jours de prière, plusieurs séries de 7-7. Nous sommes là ensemble, nous entendons la parole, nous disons Amen, nous louons le Seigneur. Et puis imaginez que vous allez bouler en enfer. Parce que gon moun qui te fait non qui choy, moun nan te fait non qui choy là déjà, li déjà fait le déjà, et puis à cause de ça nous rete là. Et puis on est dans l'ciel. Nous tombons dans l'enfer. Mes frères, mes sœurs, matin, je suis venu vous demander, au nom du Seigneur Jésus, pour nous faire tout ça qui dépend de nous, par la puissance du Saint-Esprit, pour nous épargner l'enfer, ça. L'enfer, c'est pour bientôt. N'a fait dernier virage là. Pas de possibilité pour bon Dieu, bon nous miséricorde. Si nous-mêmes, nous pas miséricorde Dieu. Et ça fait dernier appel moi pour aujourd'hui. C'est pour gain miséricorde pour tête tout d'abord. Gain pitié pour tête tout d'abord. Parce que si vous n'avez pas pitié pour tête, vous n'avez pas gain pitié pour l'autre monde. Campez devant miroir. Gardez-vous. Gardez figure bien. En paix devant miroir, gardez bouche ou bien. Pour songer ce qu'on répétait. Gardez yeux bien. Pour qui ce qu'on garde avec elle. Levez main. Pour qui ce qu'on touche. Gardez devant la croix. Pour vous sembler avec Jésus. Si vous ne pas sembler avec Jésus, vous ne pas dans le ciel. À la dure, après 1 an, 2 ans, 10 ans, 15 ans, nous tendons des prédications sous prédications, nous louer sous louer. Et puis pour moi, m'avoir perdu, nous prenons le ciel là. Peut-être qui ça? Peut-être y'a un monde qui pas ta pour aller. Et en fait, qui parle, il faut parler tout. Ou bien pour y'a l'autre, qui dernier jour sous cabane de l'hôpital, là, demande pardon. Il pas gain temps wèw. Mes amis comprennent non. Il pas gain temps wèw pour te demander pardon. Mais dernier jour sous cabane l'hôpital, ou bien pendant, il pas parler et puis conscience il remonté, l'a demandé Seigneur pardon pour ça m'te fait frère Ronald, pardon pour ça m'te fait frère Vigo, mais ça m'te fait Seigneur sauver mais puis même monde ça. Au dernier moment. Il t'est venu faut tout toi, oui, il attend ni avec bon Dieu. L'aller. Et mais ou pas de guette pardonner, ou pas qu'à pardonner mort ou fini. Tendez mes frères, il y a cette vérité que je veux vous annoncer aujourd'hui. La mort d'un homme peut être l'enfer d'un autre. Parce que automatiquement, moun sa mouri. Et ou pas de temps, fait la paix avec elle. Cœur lui mouri pendant que tout gros. Comment vas-tu faire pour faire la paix avec lui? Dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire avec ce mort? Mes frères, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est ce matin que chacun de nous, nous devons comprendre l'innécessaire pour nous faire miséricorde. C'est ce matin pour nous comprendre que l'innécessaire pour nous faire grâce. Pas capable ou pas capable, mais Jésus a aidé. Combien de nous qui voulons Jésus aider nous là, frères et sœurs? Combien de nous qui demandé Jésus grâce là matin? Je prie le Seigneur que le Seigneur vous aide ce matin.